de guerre s'élevaient contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Though a host should encamp against me, my heart shall not fear. Though war should rise against me, in this will I be confident. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. One thing have I desire of my Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the day of my life, to behold the beauty of the Lord and the empire of his temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. For in the time of trouble, he shall hide me in his pavilion. In the secret of his tabernacle shall he hide me. He shall set me upon a rock. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai les sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. And now shall my head be lifted up above my enemies round about me. The reward will I offer in the tabernacle sacrifices of joy. I will sing, yeah, I will sing praise unto the Lord. Alléluia. Alléluia. Je crois que nous sommes dans une assemblée des saints ce soir. I hope that we are in the tabernacle of the saints tonight. Des hommes qui sont venus pour offrir à l'Éternel. The men are here to offer to the Lord. Toute la gloire et la louange dont ils méritent. All the glory they merit. Inclinons nos têtes. Let's bow our heads. Honorable Père Céleste, Honorable Heavenly Father, nous inclinons nos têtes vers le sol. To the earth we bow our heads. Et nous nous souvenons, Seigneur, I remember, Lord, que près de ton trône, that near your throne, il y a des chérubins qui couvrent leurs faces. There are cherubim cover their faces, qui couvrent leurs pieds. Cover their feet. Eux qui sont des anges saints. Oh, those that are the holy angels. Mais devant toi, leur sainteté n'est rien. But in the face of you, their holiness is nothing. Si eux qui sont saints peuvent se couvrir, if they are holy, can cover themselves. Combien plus fort nous ici ce soir. How about us here tonight? Éternel, nous inclinons nos têtes. So we bow our head, Lord. Reconnaissant que nous ne sommes rien du tout. Knowing that we are nothing. Que nous n'avons aucune justice pour tenir devant toi. That you have no righteousness for you. Mais nous venons derrière le sang versé du Christ. But we come behind the shedding blood of Christ. Pour te dire gloire et louange. To say glory and honor. Nous venons de lire ton livre, Seigneur. God says to you, Lord. Peu importe, Éternel. No matter, Lord. Ce qui peut se passer dans nos cœurs maintenant. What can happen in our life, nous our sommes déjà now. Dans les lieux célestes en Jésus-Christ. We are already in the heavenly place in Jesus Christ. Là où toutes choses sont rendues possibles. Where everything is made possible. Éternel Dieu. Eternal God. Voici, nous avons commencé. Here you are beginning. Et tu as permis ceci. And you have allowed this. Nous voulons nous reposer sur ton épaule puissante. You have to rest your, nous voulons te faire confiance. You have to trust you. Parce que nous savons que tu ne faillis pas. Because you know that you fail not. Que ta bénédiction coule maintenant, Seigneur. Let your blessing flow now, Lord. Que tous ceux qui ont franchi le seuil de cette porte. Let those that came here. Ne puissent pas rentrer comme ils sont rentrés ce soir. May not go back as they are coming in. Mais que le Saint-Esprit promis dans Acte 2, 38, let the Holy Spirit in Acte 2, 38 puisse rendre ce service sacré et béni.
Mais may this service sacred one and blessed. Que nous puissions nous sentir comme ses disciples sur le chemin de Emmaüs, Seigneur. May feel like those disciples the way of Emmaüs, Lord. Que l'étonnement puisse saisir notre cœur et notre esprit. That the astonishment may catch our heart, our spirit. Nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous? Our heart not burning our inside. Qu'est-ce que je faisais pendant qu'il agissait si bonnement? What will I do when he was acting oh, like this? Oh, quand tes merveilles commenceront à se dévoiler, Seigneur. Why you are wondering to be revealed, you say, Lord. Que chaque cœur puisse tomber profondément en adoration pour toi. Let every heart be astonished deeply. Père, nous sommes venus ici tels que nous sommes. So we are here as we are. Mais nous savons que nous ne rentrerons pas tels que nous sommes. But we know that we will not go back as we are coming. Reçois déjà la gloire et la louange. Receive praise and worship. Pour tout ce que tu vas faire, Seigneur. For all what you will do, Lord. Reçois l'élévation éternelle. We lift them all, Lord. Parce que je crois que tu feras pour mon frère, pour ma sœur. Because I know that you will do for my brother, my oh, sister. Et que tu ne m'oublieras pas moi aussi, Seigneur. I will not abandon me car je suis venu pour recevoir de toi. Because I'm here to receive for you. Et tu as dit, and you have said, heureux ceux qui ont faim. Happy those heureux ceux qui ont soif, qu'ils soient dans la joie, qu'ils élèvent leur cœur à moi, parce qu'ils seront rassasiés. Rassasie-nous de ta présence ce soir, Seigneur. Au nom béni de Jésus-Christ, le Saint et béni Fils de Dieu, lui qui a vaincu le tombeau, la mort, et les chaînes des enfers, and the chain of the hell, lui qui est sorti le troisième jour victorieux, et lui qui est présent ici ce soir, him that is present here à lui soit la gloire, to him be the glory, à lui soit la louange, to him be the praise, à lui soit l'élévation, to him be lifted up, alors que nous avons prié as we have prayed, au nom de Jésus-Christ, the name of Jesus Christ. Amen et amen. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Oh, je veux entendre un cri de louange. I want to hear the shout of joy. Alléluia. Alléluia. Amen. Un cri des hommes et des femmes, amen, amen, qui savent que maintenant that know that now, tout est déjà possible, everything is making possible, et qu'ils sont dans la présence de Dieu, that they are in the presence of the Lord, qui savent que ce n'est plus un rayon d'homme, no, that is not more, ce n'est plus un mouvement d'intelligence d'homme, no more, mais que maintenant man, l'Omnipotent lui-même est ici, le Saint-Esprit est ici, the le Créateur des cieux est ici. Alors here. Donnons-lui un cri de louange ce soir. I give a shout of praise tonight. Alléluia. Alléluia. Oh. Oh, merci Seigneur. Oh, thank you Lord. Oh, alors que nous avons nos cœurs et nos têtes inclinés. Let's bow our heads. Inclinons nos cœurs, bien-aimés. And open our heart, my beloved. Et tombons profondément en extase dans sa présence. And let go deeply in his presence. Et laissons que le Saint-Esprit puisse oindre ardemment nos cœurs. And allow the Holy Spirit to anoint fully our hearts. Oh, dans ce petit chant d'adoration. That for this, when we are going through the worship. Mais vous pouvez déjà murmurer une petite parole à votre Dieu ce soir. Now you can set a little word to him. Murmurez-lui quelque chose, bien-aimé. Talk to him something, my beloved. Lord, prepare me to be a sanctuary. Seigneur, nous voulons être un sanctuaire pour toi. Un lieu où tu peux tirer ta gloire. A place can take your glory. Un lieu là où tu peux manifester ta puissance. A place that you can manifest your power. Un lieu là où tu peux manifester ta plénitude. A place that you can manifest your fullness. Là où tu peux être sûr. There you can be sure. Que ton esprit coule librement. That our spirit is flowing freely. Lord, prepare to be a sanctuary, pure and holy, dry and true, in this game. Hallelujah. Oh, we dance. Yeah.
ta gloire de tout cœur. Je te serai fidèle, un sanctuaire autrefois. Encore une fois, les mains levées, oh, mais chantons, Seigneur, prépare-moi à être sanctuaire. Ton cœur, je comprends et je saisis. Il a versé le sang pour ma liberté. Oh, si je me tais encore une fois, one more time, please. Oui, oui, j'apprendrai à écouter. Oh, la voix du bon berger. Jamais. Écoute quand je t'ouvre mon cœur.
Chrétien. I'm happy to be Alléluia. Alléluia. Je suis heureux d'être chrétien. I'm happy to Alors, serrez la main de votre frère ce soir. Are you sharing your brother tonight? Et soutenez la bienvenue. I'm welcome here. Partagez avec lui la joie du Seigneur. I share with you the joy of the Lord. Alléluia. Alléluia. Je t'aime de la main du Seigneur.
vous sentez bien ce soir? You feel comfortable Amen. Tonight? Amen. Est-ce que je peux entendre une acclamation ce soir? Can I hear? I clap with you tonight. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. And the name of the Lord be blessed. Oh, gloire à son saint nom. Glory be to His holy, holy name. Amen. Ça c'était juste une petite acclamation, frère. This was a little clap to Him. Maintenant, je vais entendre une acclamation des hommes. I want you to clap. You men and women, the Lord. Qui sont venus recevoir de Dieu quelque chose. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Let the name of the Lord be blessed. Vous sentez bien ce soir? You feel comfortable tonight. Vous célébrez l'Éternel. Vous célébrez de l'or. Je chanterai au ciel un jour. Je chanterai au ciel.
Alléluia. Que son nom soit béni. And be blessed. Amen. Nous passons au premier spécial ce soir, frère Eliane. We move to the first special tonight. Amen, Église. Amen, Church. Que son nom soit béni. His name be blessed. Et le titre de son chant. Listen to his song. Intitulé. The title of his song is. Ta grâce. The grace. Me merveille toujours. That wonders me, always wonders me. Ta grâce me merveille toujours. Your grace always wonders me. Que le Seigneur vous bénisse à l'écoute de ce chant. God bless you by hearing this song. Ta tendre miséricorde est comme un fleuve, oh sans fin, elle me submerge. Couvre mon péché chaque fois que je viens à ta présence. Je suis à nouveau émerveillé. Ta grâce m'émerveille toujours. Ton amour est toujours un mystère. Chaque jour, je tombe à genoux. Oh, ta grâce m'émerveille toujours. Oh, ta grâce m'émerveille toujours.
praise. Oh, for your grace still amazes me. For your grace still amazes me. Profond, it's deeply, c'est très élevé, it's so high, l'amour du Seigneur, love for the Lord. Amen, Église. Amen, Church. Est-ce que vous avez apprécié ce chant? Have you appreciated this song? Amen. Amen. À Dieu soit la gloire. For Him be the glory. Hallelujah. Hallelujah. Quel merveilleux chant ce soir. What a wonderful song tonight. Pendant que les frères vont s'avancer pour les offrandes. And the brother will come to collect offerings. Oh Lord, I can feel your presence in this place. Oh Lord, I can feel. Let's bow our heads. And I can offer prayer. When the brother is praying.
you feel it tonight? Hallelujah. Hallelujah. When the saints of God are going home, we're gonna tell the story how we overcome. We're gonna understand it better by and by. Oh, shut up.
Let the name of the Lord be blessed. Le titre du chant est Jésus est. The title of the song is Jesus is. Que Dieu vous bénisse à l'écoute de ce chant. God bless you by hearing this song.
King of Kings, Seigneur de Seigneurs, Lord of Lords, Amen, Amen, Prince de Paix, Prince of Peace. Oh, combien peut lui donner l'adoration ce soir? I can give worship tonight. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Il n'est pas mort. He's not dead. Il n'est pas mort. He's not dead. Il est vivant. He's alive. Et plus encore. And more again. Il est ici ce soir. He's here tonight. Combien peut lui donner un cri de louange? And we can shout to him. Alléluia. Alléluia. Oh, amen, amen, amen. We say amen, amen, amen. Oh, we say. Somebody say. Oh, somebody say. Que quelqu'un dise. Acclamation au Seigneur. Donnez une offrande d'acclamation au Seigneur. Que le Seigneur soit béni ce soir. Vous pouvez vous asseoir en saluant quelqu'un à côté de vous. Saluez quelqu'un à côté de vous ce soir. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Shalom tout le monde. Nous sommes heureux d'être là ce soir. Et je voulais rendre grâce au Seigneur qui a bien voulu que nous soyons ici ce soir avec ces grands hommes de Dieu. Est-ce que vous pouvez donner une offrande d'acclamation au Seigneur? Nous apprécions ces grands serviteurs de Dieu. Amen, Église. Après de longs voyages, ils sont au milieu de nous ce soir. Et que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Ce soir, nous avons des absents. En fait, le pasteur Jeannot devrait être avec nous. Mais il a eu un problème de santé qui doit passer par une opération. Et il a demandé que nous pensions à lui dans nos prières. Et je crois fort et bien que le Seigneur interviendra, que la grâce de Dieu est avec lui. Je crois qu'il y a encore un Dieu de miracles sur la scène. Que le nom du Seigneur soit béni ce soir. Le pasteur Johnny Conte devrait être avec nous. Alors, pour les raisons de cette fatigue, il a bien désiré se reposer pour cette année. Et je pense que le Seigneur le soutient. Il m'a dit qu'il prie pour ses réunions.
Je crois que la grâce de Dieu est avec nous. Amen. Le pasteur Olu devrait être avec nous. Il a eu un problème de passeport. Son passeport a été bloqué à l'ambassade américaine. Parce qu'il avait déposé pour obtenir un visa pour la convention qui devrait se tenir à Trinidad. Pour cela, il ne peut pas être avec nous. Mais cependant, amen Église, Dieu est avec nous. Un jour, Frère Branham a demandé, si Dieu est avec vous, où sont les miracles? Alors, vous allez vivre des moments de miracles dans ces réunions. La grâce de Dieu est ici. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Est-ce que quelqu'un peut me donner son amen? Que Dieu vous bénisse richement. Donc, nous commençons la convention ce soir. Et nous croyons de tout notre cœur que d'ici jusqu'à dimanche, quelque chose de surnaturel va se passer. Et si je pouvais dire une chose, c'est que ces six réunions, vous allez vous rendre compte qu'après le départ de William Branham, l'ange n'est pas parti avec lui. Amen, Église. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors, je ne veux pas trop tarder ce soir. Je voulais que nous nous levions et nous avions lu un passage de l'Écriture. Que Dieu vous bénisse richement. Je vais lire dans le livre de Jean, chapitre 1. I read the book of John 1. John, chapter 1. Verset 11 au verset 12. Verse 11 up to verse 12. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. It came unto his own, and his own received him not. But as many as received him, to them gave he power to become the Son of God, even to them that believe on his name. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, bless, Lord, our God, pour ce matin, pour ce soir. For this night, que ta grâce qui est avec nous, us, qui a préparé cette réunion avec nous, us, nous soutient, Seigneur. Us, et que ton nom soit glorifié. Let your name be glorified. Ô Dieu de grâce, oh God of grace, prends soin de nous ce soir care about us tonight, et opère ton miracle. Let your miracle au nom du Seigneur Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. I bless you. Vous pouvez vous asseoir. You may be seated. Si j'ai quelque chose à dire ce soir, you have something to say tonight, c'est que pendant ces quatre jours de réunion, that during these 4 days of votre devenir your future dépendra de votre capacité de recevoir. Will depend on your ability to receive. Plus vous recevez, more you receive, plus cela vous transforme. More it transform you. Donc votre devenir so your future sera déterminé will be par votre capacité de recevoir. According to your ability to receive. Ah, plus vous recevez, more you receive, plus vous devenez ce que la prophétie dit. More you become what the prophecy has Je said. Crois de tout mon cœur que les hommes de Dieu à tout de rôle prophétisera sur votre vie. Et la seule et l'unique façon pour vous de devenir cette parole dépendra de votre capacité de recevoir. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir
Le devenir vient du fait que vous soyez capable de recevoir. Soyez prêts ce soir pour recevoir la parole de Dieu. Est-ce que vous pouvez me donner une offrande d'acclamation au Seigneur? Ce soir, à mon église, la balle est au centre. Nous allons appeler un serviteur de Dieu pour nous donner le coup d'envoi. To open the service. Amen, Église. Est-ce que vous aimez le pasteur Eric Amougou? Est-ce que vous aimez le pasteur Eric Amougou? Est-ce que vous aimez le pasteur Eric Amougou? Ce soir, tonight, nous appelons le pasteur Eric, pasteur Eric avec son interprète, and his translator, le frère Firmin. Brother Firmin. All of mighty God, we say. All of mighty God, we say. And I bow before. Soit béni. Name be praised. Alléluia. Est-ce que vous aimez Jésus? Do you love Jesus? Est-ce que vous l'aimez de tout votre cœur? You... Est-ce que vous sentez la joie dans sa présence? Do you feel the Alors joy est-ce qu'on peut presence? Le reprendre une autre fois? So I feel joy. Joy, joy. I feel joy. Joy, wonderful joy. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts? Are you ready? Musicien, s'il vous plaît. Musician. I feel joy. Joy, joy. I feel joy. Wonderful joy. C'est pas le sentiment que vous sentez la joie. Joy, joy, joy. Yeah, I feel joy, wonderful joy. Every time I think about Jesus, I feel. Hallelujah! I feel joy, I feel joy. Que le nom
nom du Seigneur soit béni. The name of the Lord be praised. Nous avons un petit souci avec la technologie. We have a little problem with the techniques. Mais même sans la technologie, la parole but est là. Even without the technology, the word is there. Alléluia. Alléluia. Donc je voudrais je voudrais marquer ce soir ma reconnaissance. I want to be grateful tonight. Pour l'honneur que j'ai ce soir. For the honor that I have tonight. Et surtout le grand privilège. And the great privilege. De me tenir ici. To be standing here. Et de dire quelque chose de la part du Seigneur. And to say something from the Lord. Je me considère ce soir. So I feel myself tonight. Comme un petit distributeur de cailloux. As a little distributor of stones. Stones. Vous savez. You know. Quand David allait au combat contre Goliath, when David were going to fight Goliath, il a dû traverser une petite vallée. He had to go through a little valley. Et dans cette vallée, il y avait un petit torrent. And in that valley, there was a little river. Mais avant d'aller au combat contre river. Goliath, but before going to the battle, il est passé par le torrent. He went through the river. Et il a ramassé quelques petits cailloux. And he took a little stones. Et je vais vous dire quelque chose. And I would like to tell you something. C'est que les petits cailloux là, those little stones, c'est moi qui les ai posés. I laid them. Alléluia. Alléluia. Afin que David demain, so that David tomorrow, et que David après demain, and today after tomorrow, et que David dimanche, and Sunday, utilise ces cailloux-là, use that stone pour abattre Goliath, to kill Goliath. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Et donc, avant que je ne dise ce que j'ai à dire ce before soir, saying what I have to say tonight, je crois que ce que j'ai à dire ne va pas dépasser. Que Dieu vous bénisse. What I would say will won't go beyond. God bless you. Que parce que Dieu vous bénisse. Because God bless you. C'est pour moi la parole la plus élevée qu'on puisse adresser. It's for me the most high word that I can share with somebody. Ainsi que Dieu vous bénisse. So God bless you. Et que le Seigneur vous comble. And may the Lord amen. Fill you. Amen. J'espère que vous êtes heureux d'être ici ce soir. I hope you are happy to be est-ce here que tonight. Vous croyez que vous êtes do you believe ce soir si cette convention est une convention exceptionnelle? This is an exceptional convention. Vous n'en avez jamais eu de pareil. You never seen. Je vous dis, vous n'avez jamais like eu une before. Convention que comme celle You've dans laquelle vous êtes ici. A kind of convention like this before. Amen. Amen. Et donc, comme Pasteur Gilbert l'a dit so tout à l'heure, so as Pastor Gilbert told, j'ai dit, tout c'est une before, question de capacité à recevoir. Everything is about the ability to receive. Mais avant que je ne But dise ce mot, before I say that word, je voudrais d'abord marquer mon appréciation. To appreciate. Ma reconnaissance and to be thankful pour frère Gilbert Lancy, for Brother Gilbert Lancy, qui pour moi je crois c'est un don pour notre pays. That for me is a gift for our country. Amen. Et donc je voudrais marquer ma reconnaissance so au I Seigneur. So I would like to be thankful to the Lord pour le fardeau qu'il a mis sur le cœur de. Burden put on de celui que j'appelle notre chef d'orchestre. The heart of the one I call our master chief. C'est ça. Donc, et pour le travail d'amour. And for the labor of love. Pour l'épouse du Seigneur Jésus Christ. For the bride of Jesus Christ. Pour tous les sacrifices. And all the sacrifices. Et pour le zèle qu'il donne pour le service de Dieu. He has for the service of God. Et depuis des années, ça m'a vraiment and stimulé. For years, it stimulate me. Et véritablement, je truly, suis reconnaissant. I am really grateful. D'être compté parmi ses frères et ses amis. To be among his brothers and friends. Est-ce que vous appréciez frère Gilbert? Do you appreciate brother Gilbert? Amen. Amen. Merci Seigneur. Thank you Lord. Et donc aussi, so, je veux apprécier les efforts. Therefore I want to appreciate the efforts. Parce qu'il n'est pas seul, il y a sœur Alvin. Because behind there is sister Alvin. Pour le travail d'amour aussi. For the labor of love. Amen. Amen. Et il y a une petite anecdote que je dis à frère Gilbert souvent. And there is a little story that I always often say to Brother Gilbert. Parce qu'il aime souvent se réjouir du fait que. Because he loves to rejoice about. Qu'il y a un don d'adoration dans sa maison. The fact that there is a gift of worship in his house. Et parce qu'il y a vraiment un don là-dedans. And because there is a gift there. Et je lui dis mon frère. And I say my brother. La seule grâce que tu as. The only grace you have. C'est que le don là vient de ta femme. Is that gift comes from your wife. Et ça vient de. And it comes from her. Amen. Amen. Et nous apprécions tout le travail qu'elle and fait. And we appreciate all the labor she's doing. Et que Dieu la bénisse. And may the Lord bless them. Amen. Bless her. Amen. Que Dieu bénisse votre maison aussi. May the Lord bless your house. Et je veux marquer aussi mon appréciation. And I would like to appreciate à toute l'assemblée de Goshen Tabernacle. To all the assembly of Goshen Tabernacle. Pour le soutien. For the support. Le fait de vous tenir derrière. The fact to stand frère behind. Frère Lancy.
Brother Lonzi, le sacrifice d'amour, the sacrifice of love, je crois que vous faites honneur à la cause du Seigneur Jésus. I believe that you are honoring the cause of Jesus Christ. Et donc, je me tiens ici. So I'm standing here. Et je parle au nom de ma femme. And I'm talking on behalf of my wife. De mes enfants. On behalf of my children. Je parle au nom de mon église aussi. On behalf of my church. Nous vous apprécions véritablement. We truly appreciate you. Et que Dieu vous bénisse. And may the Lord bless you. Amen. Amen. Donc j'espère que les frères de Den vous êtes d'accord avec moi. So I hope that the brothers behind Amen. You are agree with me. Alléluia. Alléluia. Donc je ne peux pas aussi passer à la suite sans I cannot go further. Sans marquer mon appréciation aussi. Without appreciate pour l'honneur que le Seigneur me fait. The honor that the Lord gave me. D'être identifié avec les grands hommes de Dieu. Identified with great men of God. Véritablement c'est truly je me sentais si honoré I felt so honored qu'ils m'appellent frère that they call me brother qu'ils me saluent that they salute me qu'ils prient pour moi that they pray for me et qu'ils m'encouragent and that they encourage me et ça me touche vraiment profondément and it touched me really et donc que Dieu vous bénisse deeply, so God bless you et frère amen amen et donc frère so therefore frère Théo brother Theo lui il a connu les sept tonnerres j'étais même pas encore né he knew the seven thunders I was not born yet. Et donc quand frère Théo vient me dire que mon frère a du courage. So when brother Theo said, brother, take courage. Je me demande ce qui se passe vraiment. I'm just wondering what's going on. Là, je me pose la question, qu'est-ce que je vais bien dire? Because I'm saying to myself what I will say. Qu'est-ce qu'il n'a pas encore entendu? What I will say that he didn't hear before. Mais vraiment frère Théo, je suis honoré, but truly, très honoré d'être identifié avec toi. I'm very honored to be identified with you. Que Dieu te bénisse. May the Lord bless you. Amen. Et également. And also. Frère Paul Onanjeka, Brother Paul Onanjeka, que j'appelle mon ancien personnel. That I call my personal elder. Alléluia. Alléluia. Vous aimez Frère Paul? You que Dieu le bénisse. May the Lord bless him. Alléluia. Alléluia. Et j'ai un nouvel ami aussi. And I also have a new. Et j'ai un nouvel ancien. I have a new elder. À la personne de Frère Solomon Nachina. With Brother Solomon Nachina. Que nous apprécions richement. That we also appreciate. Que Dieu le bénisse richement. May the Lord bless him richly. Amen. Amen. Et ce soir aussi, avant de terminer, so tonight before même, closing, c'est un jour spécial pour moi. It's a special day for me. Parce qu'aujourd'hui, c'est le 16 mai. Because today is the 16th of May. 2019. 2019. Et la première convention 19. Qui a eu lieu à Douala. And the first convention that took place in Douala. C'était en 2013. It was in 2013. Et elle avait commencé un jeudi. And it started a Tuesday. C'était 16 mai 2013. A Thursday, the 16th of May 2013. Et le jeudi 16 mai 2013. And the Thursday, 13th of May. Ce jeudi 13 mai 2013 là. There. J'ai eu une expérience. I had an experience. Qui m'a transformé pour toujours. That transformed me forever. Et donc je tenais spécialement vous so allez me pardonner. Forgive me for that. Vous allez m'accorder cela. But granted me. Je ne sais pas si la caméra me voit. I don't know if the camera. Et si y a frère Johnny compte de l'autre côté. And if there is if brother Johnny Conte is behind. Et qu'il voit ce qui se passe sur la caméra. And he sees what's going on. Donc je vais lui dire frère John. So I would like to say to him mon brother John. Cher pasteur. My dear pastor. Je vais te saluer ce soir. I want to salute you tonight. Amen. Puisses-tu recevoir ma plus grande affection? May you receive my great greatest affection? Voilà. Et que Dieu bénisse ton âme à jamais. And may the Lord bless your soul forever. Ma femme, mes enfants, mon église. My wife, children, and the church. Nous sommes aussi fiers d'être identifiés. We are also proud to be identified with you. Et que Dieu te bénisse. And may the Lord bless you. Amen. Amen. Donc que Dieu comble son âme là-bas. So may God fill his soul there. Et je voudrais terminer. And I would like to finish. En remerciant le Seigneur. By thanking the Lord. D'abord pour cette convention. First for this convention. Et pour l'opportunité qui nous est donnée. And also for the opportunity that is given to us. De réécrire l'histoire. Write again the story. Est-ce que vous croyez que nous allons réécrire l'histoire ce soir? Do you believe that we are going to write the story again? Amen. La Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. The Bible says that may it be. Il n'a pas dit qu'il te soit fait selon les circonstances. According to your faith, not pas qu'il according te soit fait selon l'environnement. Not according to mais qu'il te soit fait selon ta foi. But may it be si tu veux que le monde se retourne, faith, if you want the world to turn il se sera around, fait selon ta foi. May it be done si tu crois que cette convention-ci, convention, tu seras béni, you shall be blessed, tu seras guéri, tu seras transformé, il te sera fait selon ta foi. Et je me réjouis ce soir. And I rejoice tonight. Alléluia!
Je me réjouis ce soir parce que cette convention, nous avons l'occasion de tirer vengeance de nos ennemis. On our enemies. Et nous allons tirer vengeance de tous nos ennemis. Je n'ai pas besoin que le diable me fasse des cadeaux. Je n'ai pas besoin qu'il ait pitié de moi. Qu'il utilise toutes les armes qu'il peut parce que moi, je n'aurai pas pitié de lui. Weapons, whatever you want. Because I won't have pity J'espère on him. Que c'est votre attitude I hope it's your attitude tonight. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Pouvons-nous simplement nous tenir debout? Can we just stand to our feet? Nous allons lire quelques portions d'écriture. We're going to read some portions of scriptures. 1 Roi chapitre 18. 1 King 18. Verset 21 à 24. Verse 21 to 24. 1 Roi chapitre 18, verset 21 à 24. 1 King 18, 21 to 24. Alors Élie s'approcha de tout le peuple. Et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne deux taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Verse 21, and Elijah came unto all the people and said, how long halt ye between two opinions? If the Lord be God, follow him, but if Baal, then follow him. And the people answered him not a word. Then said Elijah unto the people, I only remain a prophet of the Lord, but Baal's prophets are 450 men. Let them therefore give us two bullocks, and let them choose one bullock from themselves, and cut it in pieces, and lay it on wood, and put it no fire, and I will dress the other bullock, and lay it on wood, and put no fire under. And call ye on the name of your gods, and I will call on the name of the Lord, and the God that answered by fire, let him be God. And all the people answered and said, it is well spoken. Amen. Jean chapitre 9, verset 10 à 11. Saint John chapter 9, verse 10 to 11. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue à moi mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Sur quoi quelques-uns des pharisiens disent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres disent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Ça c'est le verset 16, pardon. Donc j'ai lu 10, 11 et puis nous sommes au verset 16. Verset 24, maintenant. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et ils lui disent, donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Il lui dit, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils injurièrent et dit, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant, il m'a ouvert les yeux. Saint John chapter 9, verse 10. Therefore said unto him, how were thine eyes open? He answered and said, a man that is called Jesus made clay and anointed mine eyes and said unto me, go to the pool of Siloam and wash. And I went and washed, and I received sight. Verse 16. Therefore said some of the Pharisees, this man is not of God, because he kept not the Sabbath day. Others say, how can a man that is a sinner do such miracles? And there was a division among them. Verse 24 to 30. Then again called they the man that was blind, and said unto him, give God the praise. We know that this man is a sinner. He answered and said, whether he be a sinner or no, I know not. One thing I know, that
Whereas I was blind, now I see. Then said unto they unto again, What did he do to thee? How open thine eyes? He answered them, I have told you already, and ye did not hear. Wherefore would he hear it again? Will ye also be his disciples? Then they revealed him and said, Thou art his disciple, but we are Moses' disciples. We know that God spake unto Moses, and for his fellow we know not from whence he is. The man answered and said unto them, Why hearing a marvelous thing that ye know not from whence he is, and yet he had opened my eyes? Enfin, Isaïe 55, versets 10 à 13. Isaiah 55. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Isaiah 55, verse 10 to 13. For as the rain cometh down and the snow from heaven, and returneth not to thither, but watereth the heart, the earth, and maketh it bring forth and bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater. So shall my word be that goeth forth of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing where to I send it. For ye shall go out with joy and be led forth with peace. The mountains and the hills shall break forth before you unto singing, and all these trees of the field shall clap their hands. Instead of the thorn shall come up the fir tree, and instead of the briar shall come up the myrtle tree, and it shall be to the Lord for a name, for an everlasting sign that shall not be cut off. Amen. Nous voulons incliner nos têtes pour un petit mot de prière. Bow our heads for a word of prayer. Notre bienveillant Père Céleste, our dear Heavenly Father, nous te remercions infiniment. We thank you, Lord, pour ces moments, Seigneur, for those moments, pour ce que tu nous as rassemblés, for the fact that you are, pris tes enfants you de gathered beaucoup us, de points, you Seigneur. Could, You took all your children from every, ici pour cette every places, and you gathered us here for this convention. Et tu as fait tellement de choses pour nous, and you Seigneur, did so much thing for us. Que nos cœurs ne sont pleins de reconnaissance. So many things that we are grateful for. Mais Frère Branham nous a dit, and Brother Branham said, que quand tu as fait quelque chose que nous avons confirmé, when nous te remercions pour cela. We thank you for that. Et nous levons encore les mains, and we lift up our hands again, pour en recevoir davantage. To receive more. Ainsi, envoie davantage, Seigneur. And Lord, send more. Puisses-tu bénir chaque frère et chaque sœur ce soir. May you bless each brother and sister tonight. Seigneur, bénis celui qui parle aussi. And also those et, who are speaking. Et alors que Seigneur Dieu, ta bénédiction se déversera sur chacun de nous. And as your blessing will pour out upon nous prendrons each other, le soin Père, de te donner toute la louange et la gloire. We will take care to give you all the glory. Encore et toujours. Again and again. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. In Jesus' name. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. May the Lord bless you. Que vous asseoir, serrez la main à quelqu'un à côté de vous. Somebody next to you. Eh bien, que Dieu vous bénisse. Tout le monde se porte bien. Donc j'ai un titre ce soir. J'espère ne pas être long. C'est que l'Esprit lui-même parle. So I have a title tonight. Dans mon Let titre, the Spirit Himself speak. Que l'Esprit lui-même parle. Let the Spirit Himself speak. Notre sujet. And our subject. C'est la rédemption dans la totalité. It's the redemption in total, in its fullness. Et j'ai mis dans la joie. And I put in joy. Amen. Amen. Et mon inspiration ce and my soir. My inspiration tonight. C'est la manifestation était. The manifestation was. Est. Is et sera and is to come l'interprétation. The interpretation. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Je crois profondément. I truly believe, brothers, que nous sommes à une jonction. That we are at a junction. Je crois profondément, frère. I believe que nous sommes à une jonction. That we are at a junction.
C'est-à-dire qu'un point de rencontre. It means that a point of gathering. Où Dieu est sur le point de faire quelque chose de spécial. Where God is about to do something special. Est-ce que vous le croyez? Do you believe it? Et généralement, quand il y a un point de rencontre comme ça, and when there is a point of gathering, il y a like aussi this, des moments de turbulence. There are also turbulences. Parce que quand le jour est sur le point de se lever, because when the day is about to rise, c'est à ce moment que les ténèbres deviennent plus épaisses. At this time, darkness become more thick. Et si quelqu'un n'a pas une position stable, and if somebody that doesn't have a strong position, il peut être ébranlé. He can be shaken. Parce que c'est un moment de turbulence. Because it's the time of turbulences. Mais en même temps que c'est un moment but de turbulence, at the same time, c'est aussi un moment de grande bénédiction. It's also a time of great blessing coming. Et je crois de tout mon cœur. So I believe with all of my heart. Et je le sens profondément and à l'intérieur. I feel it deep in my que heart. Que nous sommes à une jonction. That we are at a junction. Amen. Amen. Et quand nous sommes dans une position comme ça, and when we are in that kind of position, alors vous devez savoir sur quoi vous tenez. You have to know where you're standing on. Vous devez savoir exactement quels sont les fondements sur lesquels vous êtes établi. Which foundation you are built in. Parce que si vous ne savez pas sur quel fondement vous êtes établi, if you don't know that, vous pouvez être secoué facilement. You can be easily shaken. Amen. Amen. Vous savez, Frère Branham dit, you know, Brother Branham says, que personne ne peut faire quoi que ce soit. Nobody can do anything avant, à moins de savoir avec précision, unless to know exactly ce qu'il fait. What he's doing. Donc vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit. So you cannot do anything without knowing exactly ce que vous faites. What you're doing. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Can somebody say amen? Pourquoi c'est ça? Why? Parce que nous sommes à un temps. Because we are at a où time si tu ne sais pas ce que tu fais, where if you don't know what you're doing, n'importe quoi peut t'ébranler facilement. Anything can shake you easily. Amen. Amen. Et les enfants d'Israël aussi, and the children of Israel too, étaient à une période de transition aussi. They were in a transition time. C'était un temps où ils ne savaient pas vraiment. It was a time where they didn't know quel exactly Dieu adorer. Which God to worship. Il y avait Baal d'un côté. There were Baal in the side. Qui avait Jézabel avec lui? That had Jezebel with him. Et puis Achab, un roi rétrograde, a backslider king, avec une tonne de prophètes comme ça, with a lot of prophets, et beaucoup de supporters, and a lot of supporters. Et il y avait un Dieu dont elle parlait, and there was a God that qui she s'appelait was l'Éternel, about, called the Lord. Quand disait le Dieu de leur père, that was the Lord le Dieu of qui avait ouvert la mer rouge, of their fathers, le Dieu qui avait abattu les plaies en Égypte, the one that le Dieu qui avait fait pleuvoir le pain du ciel. Egypt. Le Dieu qui avait donné l'eau du rocher. Le Dieu qui leur avait fait traverser le Jourdain. Mais ce Dieu-là ne semblait plus être véritablement exactly le Dieu qu'il faut adorer. Alors les enfants. A God to worship. Les so enfants. The children of Israel. Amen. J'ai oublié de, I forgot d'apprécier Frère Firmin. To appreciate Brother Firmin. Dieu me pardonne. Dieu me bénisse. Amen. 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 Donc priez pour nous deux. So pray for. Et je crois que ça va aller. Vous aimez Frère Firmin. Amen. And I believe that he will be fine. Et donc c'était un temps, so it was a time où il clochait des deux côtés. Where there was just going back and forth. On y a une version en français qui dit qu'il boitait des deux côtés. There was just voilà, donc, et si vous voyez un boiteux in two sides. Et si vous voyez un boiteux qui boite du côté so gauche, if you see a lame droite, c'est walking on one side and another side, it's very difficult. Amen. To walk. Et Élie like leur dit, and he said, que jusqu'à quand, until then, boiterez-vous de gauche et à gauche you, et à droite? Will you go on the left and on the right? Votre père Jacob, your father Jacob, ne boitait pas des deux côtés. Was not walking mais Jacob boitait d'un seul côté. But only on one side. Amen. Amen. Et il boitait du côté. And he was walking. Où l'ange l'avait touché? On the side where the angel touched. Mais vous êtes bizarre, vous. But you are powerful. Il faut qu'aujourd'hui, and he said, le today, temps de tergiversation s'arrête. The time of tergiversation stop. Ça doit finir. It has to be vous devez over. Savoir you have to know de quel côté vous vous tenez. On which side are et you? Je dis ce soir, and I'm thinking nous devons tonight, savoir de quel côté I'm nous nous tenons. That we have to know on which alleluia side we are. C'est un temps de turbulence. It's a time of turbulence. C'est un temps où il y a beaucoup de mouvements. It's a time where there's a lot of temps où il y a beaucoup de vagues. A lot of c'est un waves. Temps où il y a plein de tendances. A lot of plein d'interprétations. A lot of interpretations. Beaucoup de choses qui se lèvent. A lot of things rising. Mais il faut qu'on sache. But we have to alléluia know. Alléluia. De quel côté nous devons boiter? From which side we have to work? Et dans ce temps-là. And in that time. Véritablement, on doit le savoir. Truly, we have to know it. Amen. Amen. Et je suis ici pour vous rendre témoignage. And I'm here to testify to you que notre Dieu est that Dieu. Our God is God. Je suis ici pour vous rendre témoignage. I'm here to give you amen. To testify to you du temps de la fin that est the message, la vérité.
The hand time message is the truth. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi ce soir? Somebody agree with me Et tonight? Vous avez l'air un peu silencieux là. You are a bit Je silent. Suis ici pour vous rendre témoignage. I'm here to testify. Que les sept tonnerres rassemblent les pouces. That the seven thunders gather the bride together. Amen. Amen. Et je veux que quand vous sortirez d'ici, and I want that when you will leave here, chose qui vous fera boiter, the only thing that we will let you tremble, ce sera le côté où l'ange vous aura touché. It will be the side where the angel touched you. Amen. Amen. Maintenant, observez une petite scène. Now watch. Il y avait un temps aussi. There was also a time. Dans Luc, chapitre 24. In Luke 24:24. Est-ce que quelqu'un avec moi ce soir? Somebody is with me tonight. Donc, il y avait Cléopas aussi et son ami. There was Cleopas with his friend. Ils avaient marché avec Jésus. They walked with Jesus. Pendant beaucoup d'années. For many years. Ils avaient vu les grandes choses. They saw Jésus great faisait. Things that what Jesus was et doing. Et tout le monde rendait témoignage. And everybody was testifying. Que Jésus était un prophète. That Jesus was a prophet. Et qu'il venait de Dieu. And that he came from God. Amen. Amen. Et que réellement c'était un homme qui était and envoyé surely de that Dieu. He was a man sent from God. Mais à la fin de leur marche. But at the end of their walk. Un temps de turbulence est a turbulence time came. Parce que des choses qu'ils avaient prévues. Because the things that they are forecast didn't happen. Ils s'attendaient à régner. Like they saw it, they. Ils s'attendaient à avoir une grande position. They were expecting a great position. Mais au lieu de la grande position. But without that great position. C'était la croix qui leur a été présentée. It was the cross that had been showed to them. Le prophète. And their prophet. En qui ils croyaient. In which they were believing. Venait d'être crucifié. Was just crucified. Il était mort. He was dead. Amen. Amen. Et quand il est mort, and when he died, toute la confiance, all the consciousness, et la foi, and all the faith, et tout le zèle, and all the zeal, que les disciples avaient, that the disciple had, est mort aussi avec la croix. Dead also with the cross. Et au moment où donc ils sont découragés en train de rentrer chez so eux, when they were going back to, ils rencontrent going back un homme home discouraged, chemin. They meet a man on Amen. The way. Parce que en fait, ils ne savaient because pas très bien sur quel pied ils dansent. They did not know exactly on which foot they were dancing. Ils avaient une foi. They had a faith. Mais la foi là, but that faith ne permettait pas de résister aux obstacles. Was not enough to quand les moments de turbulence arrivent, resist the obstacles. Amen. La foi n'était pas suffisante pour résister aux obstacles. Came, their faith was not enough to parce qu'ils avaient une foi against that obstacles qui se limitait because seulement. They had a faith that was only limited. Ils avaient une foi they had a faith qui se limitait that was only limiting au domaine physique. On the physical realm. Est-ce qu'on dit amen? Can we say amen? Donc la foi qu'ils avaient en so Jésus, the faith they had in Jesus, elle était forte was strong parce qu'ils voyaient un Jésus physique. Because they was seeing a physical Est-ce Jesus. Est-ce que quelqu'un avec moi? Can la foi qu'ils avaient dans le prophète, you mean the faith that they had in the prophet, le toucher. It's because they could touch him. Mais quand Jésus vient, but when Jesus comes, il arrive et il les rencontre. He comes and he meet them. Il a dit ce que vous êtes en train de faire. He said what you are doing. Il dit homme peu de peu d'un. Alléluia. Men with qui sont là à croire ce que les less prophètes intelligent ont dit. That are there to believe what the prophet said. Ce que vous avez vu, j'ai what fait. You saw that les I did. Miracles que j'ai fait. The miracle I did. Et toutes les choses que j'ai fait. And all the things I did. Ce n'est pas moi qui it's suis la chose importante. Me, the important thing. Mais il y a quelque part. But somewhere there depuis is, la pensée d'Elohim. From the il back avait mind décidé. Of Elohim, he has decided, il a envoyé la parole. And he sent the word. Amen. Donc, so, il y avait quelque part somewhere there was une parole there was a word ou des paroles or words qui étaient accrochées là-bas that were hanging there. Il dit ce que j'ai fait là. And he said what I did here. Ce n'est pas le fait du hasard. It's not an accident. Est-ce qu'on dit amen? Can you say amen? Donc, ce ne dépend pas de ma grandeur. So it doesn't depend on my greatness ou de ma petitesse. Or my mais la parole était déjà sortie. But the word was already there. Et donc Jésus a commencé à leur donner so Jesus started to give them une autre qualité de foi. Another kind of not que quality of faith. Appelle la foi de la résurrection. What Abraham calls the faith of resurrection. Est-ce qu'on dit amen? Can we say amen? Et la foi de la résurrection. And the resurrection faith ne repose pas sur un grand homme. Doesn't lay upon a great man. La foi de la résurrection. The resurrection ne faith repose pas sur les choses que je vois. Doesn't lay on la the things de la I can résurrection. See. Ne repose pas sur ce que j'entends. The resurrection faith mais doesn't la foi de la résurrection upon what I can hear, le Seigneur. But on thus say the Lord. Est-ce qu'on dit amen? Can we say amen? Alléluia. Hallelujah. Si Jésus est né de naissance virginale, if Jesus was born from a virgin, c'est parce qu'il y avait une parole. It because there was a word. Est-ce qu'on dit amen? Can we say amen? Si Jésus a guéri les malades, if Jesus healed the sick, c'est parce qu'il y avait une parole. It's because there was a word.
si Jésus est mort à la croix, if he died upon the cross, c'est parce qu'il y avait une parole. Because there was a word. There was, si Jésus est ressuscité de if mort, Jesus raised c'est parce qu'il y avait une parole. From the dead, it's because there was a word. Hallelujah. Hallelujah. Si Frère Branham est venu, if Brother Branham came, c'est parce qu'il y avait une parole. It's because there was a word. Est-ce qu'on dit amen? Somebody alors say si amen. Nous sommes ici ce so soir, if you are here tonight, avec ou sans Frère Branham, without or with avec Brother Branham, ou sans Frère Coleman, with or without avec Brother Coleman, ou sans le prophète, with or without the prophet, parole. There is a word. Est-ce qu'on dit amen? Oh, can you il say dit amen? Le ciel et la terre passeront, heaven and earth will pass away, but my word will never pass Alleluia. Away. Frère Branham peut Alleluia. Passer. Brother Branham can les pass away. Passer. Some pastor can mais pass away, parole. But the word. Hallelujah. La parole. The word. The word. Ne va jamais passer. Will never pass away. Hallelujah. Hallelujah. Donc tournez les regards vers Jésus. So turn your eyes upon Jesus. Mais qu'est-ce que Jésus? But what is Jesus? Oh, are you with me tonight? When Brother Branham says, turn your eyes upon Jesus, c'est parce qu'il savait qu'un temps de turbulence it's because he knew that a turbulence time will come. Et il a eu une vision quelque part. And he had a vision somewhere où il parlait de ses deux apogées de son where ministère. He was talking about the et two présentait son apogée, summons of his ministry. Pendant que les hommes étaient de, when he was distrait, presenting his summon, il a dit, je vais vous faire remarquer of his quelque chose. Ministry, and he said, I will les let you notice something. Là, the great things you saw in my ministry. First pool. The first pool. Second pool. The second pool. The third les pool. Écureux, the spirit. And all the things. Parce que la parole a dit. It's because the word said. Est-ce qu'on dit amen? Can you say amen? Et Frère Branham dit, and what Branham says. Que toute la gloire that qui all est en Dieu, the glory that is in God. Se trouve dans sa parole. It is in his word. Vous asseoir, frère. You may be seated. Est-ce qu'on est ensemble? Are you with me? Donc, quand Jésus parle à ses so, disciples, when Jesus speak to his disciples, il s'est rendu compte he realized que la foi des disciples n'était pas capable de gérer les turbulences. The faith of the disciples was not able to handle the turbulences. Est-ce qu'on est ensemble? Are you with me? Parce qu'ils avaient une foi qui était accrochée because sur des choses naturelles. They had a faith based on natural things. Mais ce n'est pas les choses naturelles qui but sont la chose. Not the natural things. Parce que are tout the ce qui est naturel because all that is natural a une origine surnaturelle. Has an supernatural origin. Si nous avons reçu un prophète, if we receive a prophet, selon Malachi 4, according to Malachi 4, c'est parce qu'il y a une parole qui était là. It's because there was a word there. Et la parole là, and that word, est-ce que quelqu'un me suit? Somebody is with me? Est-ce qu'on me suit? Are you with me? La parole là, and that word, n'est pas plus grande is not greater que la parole qui dit than the word that que vous allez être adopté. That say that you shall be adopted. Hallelujah. Dieu dévoilé. In God, the unveiling of God. Il dit, remarquez. He said, noticed. Toute la gloire qui est en Dieu. All the glory that is in God. Est dans la parole. Is in the word. Toutes les bénédictions qui sont en Dieu. All the blessings that are in God. Sont dans la parole. Are in the word. C'est caché à l'incroyant. It is hidden to the unbelief. Par les traditions. By traditions. Voyez-vous ce que je veux dire? Do you see what I mean? Mais tout cela est en Christ. But all of that is in Christ. Tout ce que Dieu était. All that God was, il s'est déversé. He poured out of himself. Kenos. Et il est entré en Christ. And he entered in Christ. Et nous, and we, en Christ, in Christ, nous sommes derrière le voile. We are behind the curtain. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Somebody understand that? Donc ainsi, so, notre relation avec Dieu, our relationship with God, dépend de notre relation avec sa parole. Depends on our relationship with his word. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Somebody say amen. Alléluia. Hallelujah. J'ai pas l'impression que j'ai des fils de Dieu ici ce soir. I don't have the feeling that I have sons of God here. Donc si j'ai une relation intime avec Dieu, so if I have an intimate relationship with j'ai, God, c'est parce que j'ai une relation intime avec it's sa because parole. I have an intimate relationship with the word. Parce que ce que Dieu est, because what God is, c'est ce que sa parole est. This is what his word is. Quelqu'un dit amen? Somebody say amen. Est-ce qu'on peut dire encore amen? Can you say
Amen. Donc, si je veux avoir une relation basse avec Dieu, so if I want to have a low relationship with God, il faut que j'ai une relation basse avec sa parole. I must have a low Mais relationship si relation with His word. Dieu, but if you have a higher je dois avoir une relation élevée relationship avec sa with God, I must have a higher Parce relationship with His word. Because all, est-ce qu'on a ça? Are you with me? La guérison, the healing. Le salut, salvation, le baptême du Saint-Esprit, the baptism of the Holy Ghost, l'adoption, the adoption, le placement en position d'autorité, the placement in la rédemption dans la totalité, position. Est-ce qu'on dit amen? Redemption la is fullness, transformation, transformation. La gloire là, c'est tout the glory, that glory is in the word. Now watch, alors que nous avançons, as we are moving on. You know the story in 2 Kings chapter 6. He said that the king of Syria was in a battle against Israel. You know the story. You may be seated. So he was in war against Israel. And he was building planes in his spirit, in his mind. Planes to attack. Des plans d'attaque pour envahir Israël. To go to Israel. Mais il ne comprenait pas pourquoi à chaque But fois qu'il fait un plan, he did not understand why le he plan was, avortait. Each time he was doing a plane, alors the plane was failing. Amen. Et quelqu'un est venu lui dire qu'il y a un prophète. So somebody came to là-bas. Him. There was a prophet back there. Dans ce pays-là, in that country, que tu es en train de penser, that while you are thinking, lui il voit déjà ce que tu penses. He already see what you're thinking. Est-ce que about. Quelqu'un me suit? Somebody is with me. Ce n'est pas la nôtre. Oh, Dieu vous bénisse. Merci, Seigneur. God bless Donc, you. Il y a quelqu'un là-bas. So there is something, somebody there. Lui, pendant que tu penses, when, while you are thinking, c'est une stratégie d'attaque. About a strategy, lui, il sait déjà ce que tu vas dire et il dit ça à Israël. Et c'est pour ça que tes attaques Israel. Ont échoué tout That's le why temps. The attacks fail. Alors le roi a décidé d'aller envahir so l'endroit. Parce decided to send, d'envoyer une armée. To send an army pour aller attraper le prophète là. To catch that prophet. Et ce prophète s'appelait Élisée. And that prophet was Elijah. Et c'était à Dothan. Vous connaissez l'histoire. And it was in Dothan. Et, you know et quand story. Ils arrivent à Dothan, and when they reached Dothan, ils ont encerclé le village. They encircled ou la ville. The city. Et le serviteur d'Élisée sort. And all the servants of Elijah. Et quand le serviteur d'Élisée se met dehors, and when they are outside, il voit une armée entourant la ville de partout. An army surrounding the et le serviteur a commencé, il and a pris peur. Were afraid. Il est parti dire à son maître Élisée que he go back to say mon to him, maître, master, les gens disent souvent en pidgin chez nous, ils don't bat. Donc c'est mauvais, mon maître. It's bad. c'est grave, ils ont une armée they have such a big army. Immense devant nous. Walking against us. Nous sommes perdus. We are lost. Mais il était surpris But he was surprised de voir Élisée calme. To see Elijah calm. Élisée ne s'agitait même pas un Elijah peu. Was not, il était tranquille. He panicked. Est-ce qu'on dit amen? Et Élisée lui a répondu simplement answer, que ceux qui sont avec nous those that are with us sont plus nombreux are more que ceux qui sont avec eux. Than those that are with them. Et le serviteur ne comprenait rien de ce qu'il disait. Amen. Et Élisée a fait la prière pour dire, Seigneur, ouvre ses yeux. Parce qu'il avait... Est-ce qu'on a ça? Il dit, Seigneur, ouvre ses yeux. He says, Lord, open Parce qu'il his avait eyes. Un problème de prise de conscience. Because there was a problem of consciousness. Il y avait une scène autour de lui. There was a scene around il y avait him. Une réalité autour there de was lui. A reality around Mais him. Il ne prenait pas conscience But de cette réalité. Not conscious enough to Est-ce understand that ensemble? Reality. Donc Dieu a ouvert ses so sens God opened his senses afin qu'il voit la réalité so he can see the reality dans laquelle il se trouvait in which he was. Et la parole aussi and the word also, c'est une réalité. It is a reality. Can you say Mais amen? C'est une réalité it is a reality qu'on ne perçoit pas avec ses sens. That we cannot perceive with our tu senses. Tu ne vois pas la parole. You cannot tu see ne the word. L'entends pas. You cannot hear tu the word. Tu ne la touches pas. You cannot touch Elle the word. Elle est dans une réalité. It is in a reality. Il faut que tu te lèves. That you have to rise. Est-ce qu'on dit amen? Can you say amen? Tu dois t'élever. You must rise yourself. Pour que tes sens soient capables de saisir so cette réalité. So that your senses may be able to catch that reality. Alors ce que la Bible dit. So what the Bible says. La gloire de Dieu dans sa parole. Is that the glory of God is in His word. Va devenir vrai pour toi. It will come true to you. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Can somebody say amen? Ainsi, ce soir mon message porte deux points. And my message tonight is on two points. Two points. Le premier point, the first point is c'est comment on reçoit la parole. How we can receive the word.
Et le deuxième point, and the second point is, c'est quoi recevoir dans la parole. What to receive in the word. Est-ce qu'on est ensemble? Are you with me? C'est autour de ça que le thème central, around ma parole, that, mon message de ce soir va tourner. My message is about. J'espère ne pas être trop long. I hope I'm not too long. Est-ce que tout le monde est prêt? Everybody is ready? C'est la première chose. So the first thing. Comment recevoir la parole? How to receive the word. Deuxième chose. The second thing. Qu'est-ce que dans la parole on reçoit? What can we receive from the word? Et qu'est-ce qu'on appelle même and la parole? What we even call the word? Amen. Amen. Et quelle est la parole que toi et moi nous and devons recevoir ce soir? What's the word that you and I have to receive tonight? La rédemption dans sa totalité devient une réalité. Redemption in its fullness become a reality. Est-ce qu'on est ensemble? Are you with me? Tout le monde est bien en place. Everybody is. Est-ce que vous pouvez donner un louange au Seigneur ce soir? Can you give God praise tonight? Donc première chose alors, comment recevoir la parole? So first thing, how to receive the word? Frère Branham dit que. What Branham says. Nous devons être dans la bonne vibration. We have to be in the right vibration. Parce que la parole de Dieu. Because the word of God. Est envoyée dans une certaine vibration. Is sent in a certain vibration. Et une vibration. And a vibration. C'est un niveau de perception de it's votre. It's a level of perception of your spirit. Est-ce qu'on est ensemble? Are you with me? Il y a un niveau de perception de there votre esprit. There is a level of perfection. Perception of your spirit qui peut attraper les choses naturelles. That can catch natural things. Parce que votre esprit se trouve dans un corps physique. Because your spirit is in the physical alors, body. Tu peux percevoir les frères qui sont so assis. You can perceive and see the brothers sitting there. Can vous somebody say amen? You can hear the sounds. And how Brother Freeman is translating, you are in certain vibration. Mais dans cette vibration but in that vibration, vous ne serez pas capable de voir la parole. You won't be able to see the word. Est-ce qu'on dit amen? Can somebody say amen? Donc, quand vous dormez, par exemple, so when you sleep, for example, vous pouvez dormir et vos yeux sont ouverts. You can sleep and with open c'est eyes. Mais quand vos yeux sont ouverts, là, but when your eyes are open, si je vous présente un micro, vous n'allez rien voir. If I present you a microphone, you won't see anything. De votre esprit because the level of perception of your spirit is low. Vous êtes dans un état endormi. You are in a sleepy state, amen. Sleepy condition. Ça veut dire que par rapport au it niveau means naturel, that regarding the natural level, you are in a lower vibration. Et donc, ce que nous voyons dans so le what we see in the natural est dans une vibration plus élevée que la vibration du sommeil. In the higher vibration than the when you're sleeping. Than when you're sleeping. Yes, good. Et donc, amen. Amen. Et donc, mais la parole so now the word est dans une vibration is in a vibration plus élevée higher que celle de nos sens than the one of our senses. Est-ce que quelqu'un dit amen? Somebody say amen. Alors, comment atteindre la vibration so de la parole? How to reach the vibration of the word? Alors, Frère Branham dit but Abraham says que la vibration de la parole the vibration of the word c'est un niveau de perception de it's notre it's a level of perception of our spirit où les émotions commencent à entrer en where emotions start to come into scene. Est-ce qu'on est ensemble? Are you with me? Quand la parole de Dieu when the word of God commence à déclencher des émotions en vous start to activate emotion votre in niveau you, de perception commence à monter. Your level of perception begins mais ce n'est pas seulement des émotions rise, but it depends mais il faut que ça entre plus profond encore emotion, but it has to au-delà go des émotions above, beyond emotions. Ça doit pénétrer à l'intérieur and he will penetrate jusqu'à ce que ça touche le côté moral in de votre inside être. To touch the moral part of your being. I don't know if somebody understands what I'm saying. He said to see the word, to catch the word, your spirit has to rise at a level of perception when the word will go out, it will create emotions in you. Can somebody say amen? Les émotions, c'est un bon niveau. Now emotions is a good level. Mais ce n'est pas le niveau final. But it's not the final level. Parce que la parole peut te créer des émotions. Because the word can create emotions to you when you go. Tu redeviens exactement comme you tu étais become avant. Exactly before mais il faut coming. Que l'émotion là. But that emotion, brother, profondément en toi. Has to be deeper in you. Et que ça touche l'intérieur. And touch the inner. Jusqu'à ce que ton corps moral soit affecté. Est-ce qu'on dit amen? Can somebody say amen? Est-ce qu'on dit amen? Can somebody say amen? Alors à ce moment là. So at tu that, es au niveau de la bonne at vibration. This point, you have reached the right alors vibration. La parole so the word n'est plus un son, is no more a mais sound. La parole devient une image. But the word becomes an image. Hallelujah. Tu vois la parole. You can see the word. Tu communies avec la parole. You can have fellowship with amen? The word. Somebody c'est comme say David amen. Disait dans Psalm 17. It's like David was saying. Il dit, quant à moi, he say, regarding me, dès le lever du soleil, from the rising of the sun, je me rassasie. I am satisfied with your image. Est-ce que quelqu'un me suit? Oh, somebody follows David me. So David était à un niveau de perception. Was in the, at a level of perception. Était à un niveau de vibration. A level of vibration. Où la parole était vivante pour where lui. The word was alive for him. La parole était une personne.
the word was a person to him. With which he was having communion. So when the word becomes become something with meditation. Alors sachez so que chaque chose avec laquelle vous communiez, Dieu vous la donne. You are having fellowship, God gives it to you. Est-ce que quelqu'un dit amen? Somebody say amen. Est-ce que vous suivez ce que je dis? Are you listening what I'm saying? Donc vous devez arriver à un état de vibration. So you have to reach a vibration condition when you can see the word. Où la parole devient quelqu'un. When the word becomes somebody. Somebody quand say amen. Quand on dit par ses maîtrisures, nous avons été guéris. Par ses maîtrisures. By his stripes. We are healed. Voilà. Quand on dit ça. When we say that. Tu n'entends pas seulement. You're not hearing all. Mais tu vois la guérison. But you see the thing. Est-ce qu'on dit amen? Somebody say amen. Quand la Bible dit. When the Bible says. Que nous sommes maintenant mais. That now. Assis dans les lieux célestes en Christ. We are sitting in the heavenly places in Christ. Les lieux célestes en Christ. The heavenly places in Christ. C'est la parole. It's the word. Est-ce qu'on a ça? Are you mais c'est la parole. But it's the word. A une certaine vibration. In a certain vibration. Donc vous êtes arrivé à une vibration. You have reached a vibration. Vous n'êtes plus sur la terre. Where you are no longer on earth. Les sens ne vous influencent plus. Your senses doesn't influence you no more. You have been raised. Vous êtes assis dans une dimension, you are sitting in a dimension toutes vos bénédictions sont réelles. Where all your blessings are real. Amen. Amen. C'est pour ça que that's why, dans un mystère qui était dans l'adoration en Israël, in the mystery that was in the worship in Israel, il y avait une manne, there was a manna qui tombait dans la that was vie. Falling in the est-ce qu'on a ça? The, la manne, the outside. Par vie. Par vie extérieure. The outside part. Et il y avait une autre manne. And there was another manna. Qu'on gardait dans le lieu très saint. That was keeping in the holy of holies. Et l'endroit, la condition de la manne. And the condition of the manna in the outside. N'était pas la même que la condition de la manne dans le lieu très saint. Was not the same condition that the one that was in the. Et la manne, c'est la parole. The holy of holies and the manna is the word. Et la parole dans le lieu très saint. And the word is the holy of holies. Is when the word touch your heart. Somebody say amen. So when the words touch your heart, elle vous fait asseoir, it makes you sit le voile, behind the curtain. Dans la gloire de la Shekinah. In the glory, there's a kind là of glory. Le bâton de Aaron, when Aaron's bald will start là où to flourish, well, your là où disease le jour will ne disappear. Where the day never ends. Est-ce que dit amen? Somebody say amen. 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 C'est là qu'on dit. That's where we say que vous êtes entré dans la cabine de l'astronaute. That you enter in the cabin of the astronaut and you are ready for the countdown. Donc, la parole, so when the word commence à toucher le côté moral de votre être, start to touch the moral part of your being, quand tu vas au bureau, when you go to the office, tu ne penses qu'à la parole. You only think about the word. Avec tes amis, when you go with your friends, tu ne penses qu'à la parole. You only think about the word. Moment-là, at this time, tu es prêt. You are ready. Pour être en collaboration avec les forces célestes. To be in association with heavenly in the heavenlies. J'espère que vous saisissez. I hope you catch it. Et donc, c'est la raison pour laquelle vous êtes dans cette atmosphère. That's the reason why you are in that atmosphere. When we say seven thunders give faith. Amen. Amen. Que les sept tonnerres donnent la foi, n'est-ce pas? Seven thunders give faith, isn't it? On répète la chose à chaque jour. For the rattling grace, we are repeating that thing every day. So sometimes you are asking yourself, why every day? Why every day they are still talking the same thing? This day is seven tenders. The day after seven tenders. Someone that is a passionate of football didn't start today. When he get out of his family, he found an environment because a Cameroonian loves football. Mais un Pakistanais aime le cricket. But a Pakistanian loves cricket. Si vous voyez quelqu'un qui joue au cricket. So if you see somebody playing cricket, ça n'a aucun sens pour vous. It is nonsense for you. Because you don't understand what is in cricket qui peut attirer l'attention that can draw the attention of a man. Mais quand vous voyez le football, but when you see football, ça déclenche des choses en vous. It start moving things in you. Ça fait des effets en vous. When you see, c'est parce qu'on a développé quelque it's chose. Because we have developed something. Depuis que vous êtes petit, since your childhood, we have
You can see the colors, the emotion of your father. This puts you in an environment where football starts to touch your emotions. Amen. So what the word, what we have to do is to remove football emotions and then we place the word. Football ne vous apporte rien du tout. Because football doesn't bring c'est you something. Ce qu'on appelle une distraction. This is what we call an entertainment. Amen. Mais la parole de Dieu, but the word of God, c'est une puissance. It is a power. C'est une gloire. It's a glory. C'est une onction. It's an anointing. C'est Dieu lui-même. It's God himself. Glory. Hallelujah. Hallelujah. Oh. Hallelujah. You may be seated. We're going to make it, brother. I will try to. Everybody follows me. So, second thing. What to receive. And we will talk about it regarding redemption. Because the theme of the convention is redemption is fullness. Amen. The subject, the redemption is in its fullness. So, I will represent it to a certain way, in a simple way. You know, the Bible says in the beginning, God created heaven and earth. Amen. Amen. But Brother Branham says that beginning is the one that theologians understand. Mais il y a un avant au commencement. But there is a before the beginning. Et dans l'avant au commencement, and in that before the beginning, il y avait quelqu'un, there was somebody there qui ne s'appelait pas Dieu. That wasn't called mais God, on l'appelait El Ela but Elohim. Called El Ela Elohim. C'est lui qui se suffit à lui the même. One that exists by himself. Amen. Amen. Mais El Ela Elohim, là, but El Ela Elohim qui se suffit à lui même, that exists by himself. Quelque part on dit qu'il était seul. Somewhere we said he was alone. Il n'était pas vraiment seul. But he was not alone exactly. Il avait avec lui des choses qu'on appelle des pensées. He had with him thoughts. Est-ce que quelqu'un avec moi? Somebody's with me. Et donc, avant au commencement, so before the beginning, Elohim avait des pensées. Elohim had thoughts. Et je vais vous représenter ça comme I will just tableau, represent it like a little picture venez, so that you understand exactly where you're coming venez, from. Vous comprenez où vous allez. Where you're going. Est-ce que quelqu'un dit amen? Somebody say amen. Donc, il nous a enseigné so it had been touched dans les pensées d'Elohim, to us that in Elohim's mind, il y avait deux parties. There was two parts. Il y avait des pensées à l'arrière. There was a thought in the back part. Et il y avait des pensées à l'avant. And thought in the front part. Est-ce qu'on a ça? Are you with me? Donc laissez-moi vous illustrer so ça comme ça. So let me just illustrate it to you. Donc Elohim a pensé à vous en tant qu'un homme. So Elohim thought about you as a man. Parce que ce que vous êtes ici là. Because what you are here today. C'est le résultat de ses pensées. It is the result of his thoughts. Et ce sont les pensées d'Elohim. And it is qui Elohim's sont matérialisées qui font ce que nous sommes. Amen. Materialized. Donc Elohim a pensé à vous en tant qu'un homme. And what we are today. So et Elohim quand il vous a vu comme un homme. As a man, il a when vu he saw les actions you que vous allez man, mener comme un homme. He saw the that you will il a vu la nature que vous aurez comme un homme. He saw the nature you il a vu plein de choses que vous serez comme un homme. He saw all the things. Vous serez comme tous les autres. You will be as others. Et quand on vous regardera, and when we will vous see ne serez you, pas différent d'un autre homme. You won't be different from another est-ce man. Ensemble? Are you with mais ce n'est pas seulement comme ça que lui a pensé à vous. Not only this mais way God aussi pensé à vous comme un attribut. He also thought about you as an attribute. Et comme un attribut, and as an attribute, c'est ça qu'on appelle pensée éternelle. Of it is eternal thought. So il vous a vu comme une partie de lui-même. He saw you as a part of himself. Est-ce qu'on dit amen? Can somebody say amen? Et il dit une partie de lui-même. And as a c'est une représentation a part de sa personne. Of him is a representation qu'il allait of his person sur la terre. That he will be manifest on the earth. Sur la terre, so that when you will come to the earth, you shall be a manifestation of what he is. Somebody say donc, amen. Elohim a pensé à vous so Elohim thought about you comme pensée éternelle attribut de son esprit. An eternal thought attribute of his spirit. Mais il vous a aussi vu but he also saw you comme un être humain naturel. As a human being. Mais natural. Vous voyez dans votre vie naturelle but in your natural life vous feriez des choses you will see, you will do things qui ne correspondent pas that doesn't correspond à la pensée éternelle qu'il a de vous. To the eternal thought he has from you. Est-ce qu'on est ensemble? Are you with me? Et dans les pensées éternelles d'Elohim so in the eternal thoughts of Elohim ne pouvez pas cohabiter avec les pensées naturelles. Couldn't parce que dans les go with the natural thoughts because in the natural thoughts there is a lot of mistakes that are not attributes of Elohim. Parce que Elohim ne connaît pas le mensonge. Because Elohim doesn't know liars. Est-ce qu'on dit amen? Can somebody say Elohim amen? Ne connaît pas l'incrédulité. He doesn't know unbelief. Elohim est foi. He is faith. Il est absolu. He is absolute. Il est amen. He is amen. Mais pour être capable.
but to be able, amen, amen, de supporter ce que vous allez to être, support what you will be, il a mis une barrière. He put a wall. Et la barrière là s'appelle le sang. And that wall is the blood. Qui me suit? Are you with me? Regardez moi. Are you with me? Représente un schéma. So I am just representing you a picture. There is attribute, amen, of Elohim's. Et il y a des éléments naturels. And there are natural elements. Laissez-moi dire ça comme ça. Let me say it this way. Mais les attributs, but the attributes, dans ces attributs, in his attributes, il n'y a que perfection. There is only perfection. Hallelujah. Il n'y a aucune défaillance. There is no failure. Et c'est comme ça qu'il vous voyait. And that's the way he saw you. Et Dieu vous voyait. And God saw you. Comme une perfection as sur la terre. As a perfection on the earth. Et Dieu vous voit. And God comme une sees perfection you sur la terre. As a perfection on the earth. Mais quand vous viendrez sur la terre, but when you will come to the earth, vous aurez des erreurs. You will have some mistakes. Amen. Amen. Mais en réalité, but in reality, Dieu ne voit pas vos erreurs. God doesn't see your mistakes. Parce qu'il y a une barrière de sang. Because there is a wall qu'il a placé of blood dans sa pensée. That he put in his mind. Qui me suit bien? Somebody's following me. Maintenant, le sang, now the blood, c'est une barrière. It's a wall. Le sang, it's a barrier. It's est-ce the blood. Dit amen? Somebody say amen. C'est un mur de séparation. It's a wall of separation. Quand Elohim regarde au travers du sang, when Elohim sees through the blood, il ne voit pas le mal. He doesn't see the evil. C'est pour ça que quand le sang est appliqué, that's why when the blood is applied, even the sinner is still not condemned. Est-ce qu'on dit amen? Somebody say amen. Maintenant, si now, un pécheur, a sinner n'est pas encore condamné, is not condemned still. But if he dies sinner, amen. Amen. S'il meurt pécheur, if he dies sinners, la barrière de sang n'est plus là. The wall of blood is alors not there anymore. Devient manifeste. So his sin become manifest. Et c'est la destruction qui and vient. It's destruction there. Est-ce qu'on se me suit bien? Are you with me? Et donc quand Elohim a so when mis Elohim cette barrière, put that barrier, c'était pour vous donner un temps, it was to give you a time, dans lequel vous viendrez comme des êtres humains. Where you will come as human beings. Et c'est pour ça que la Bible dit, so that's why the Bible says, vous êtes des dieux, you are gods, mais vous mourrez comme des hommes. But you die like men. Qui dit amen? Somebody say amen. Vous êtes des dieux, you are gods, comme attribut de son esprit, as attribute of his spirit, mais vous mourrez comme des hommes, but you die as parce men, que vous avez une vie naturelle, because you have a natural mais life. Entre les deux, but between, est-ce qu'on dit amen? Two, mais entre les deux, but in between, il y a une barrière. There is a barrier. Et c'est dans cette barrière, and in that barrier, que Elohim s'est encerclé lui-même. Elohim surrounded himself in that barrier. C'est aussi un corps. And it is also a body. Et ce corps là, and that body s'appelle aussi la parole. It is called the word. Est-ce qu'on dit amen? Oh, somebody say et amen. Ce corps là, and that body s'appelle aussi son fils. Is also called his son. Et quand Elohim vous regarde, and when Elohim sees au travers de son fils, through his son, vous êtes sans péché. You are sinless. Hallelujah. Qui dit amen? Somebody say amen. Et donc vous ramenez. So you bring back. À ce qu'il a pensé de vous. To what he thought about you. C'est pour ça que la rédemption vient. That's why redemption comes. Et donc pour que la rédemption agisse. So to for the redemption to act. Alors il vous prend. So he takes you. Et de la condition naturelle. In the natural condition. Et il vous fait traverser le sang. And he makes you go through the blood. Qui me suit? Pour que la rédemption agisse, so for the redemption to be effective, il vous prend de la condition naturelle. He takes you from the natural condition. Et il vous fait traverser le sang. And puts you through the blood. Et quand vous traversez and le sang, when you are going through the blood, vous ne pourrez plus jamais être le même. You will never be the same again. Qui me dit amen? Somebody say amen. Asseyez-vous une seconde. You may be seated for a while. Parce que je veux que ce because soit bien clair. I want it to be clear for je you. Veux qu'on comprenne, se comprenne très bien. I want that you understand amen exactly what I'm saying. Amen. Donc, Dieu a pensé à moi. So God thought about me comme son fils. As his son. Et c'est comme ça qu'il me voit. And that's the way he sees me. Mais je suis entré dans la chair. But I nous n'allons pas entrer dans les choses profondes là de I went for the flesh. Contourner la théophanie. We bypassed est-ce our qu'on theophany. Are you nous sommes venus dans la chair. We came to the flesh. Mais la pensée éternelle de but Dieu the eternal thought of God, c'est que nous soyons le reflet de sa it's personne. To be the reflection of his person. On dit amen. Amen. Et le moyen par lequel and the way nous retournons à au reflet de sa personne, which we are going to the reflection of his person, c'est par le sang. It is through the blood. Et c'est par le sang and it's through the blood que la rédemption s'opère. That redemption can operate. Et la rédemption and redemption, c'est sortir de it's going out of pour entrer dans to enter in. Donc vous sortez du naturel. So you
go out of the natural pour entrer dans le surnaturel. Enter in the supernatural. En fait, attendez. Vous sortez de l'humain. Or you get out of the humanistic pour entrer dans le divin. To enter in the divine. Qui me dit amen encore là? Somebody say amen again. Amen. Amen. Et donc pour que vous ayez la possibilité so for you to have the possibility de faire ce voyage de retour, to do that travel back, alors il pourvoit au sang. So he provide the blood. Mais en réalité, le sang en lui-même, but in fact, the blood in itself, ce n'est pas la chose essentielle. It's not the essential thing. Parce que ce qu'il y a dans le sang, it's not the main thing, because what c'est is ça in qui the est blood, la chose essentielle. That's the main thing. Et ce qu'il y a dans le sang, what is in the blood, c'est la vie. It's life. Amen. Hallelujah. C'est pour ça que Dieu that's why appelle aussi Jésus call Jesus also le germe. The germ. Dans Zacharie, il est appelé le Zachariah, ça veut dire le porteur d'une vie. The bearer of a life. Est-ce qu'on est ensemble? Are you with me? Et quand vous entrez en contact and avec ce germe, that germ, il y a une vie qui entre en vous. There is a life coming in et you. Cette vie qui entre en vous, and that life coming vous in faites you, passer de l'humain take you from the human dans la condition de fils de Dieu. To the condition of a son of God. Est-ce que quelqu'un dit amen? Somebody say amen. Alors, so, comment donc dans le naturel, how in the natural, cette chose-là s'est déroulée. That thing happened. Ou comment ça se déroule aujourd'hui. Or how it is happening today. N'oubliez pas une chose. Don't forget something. Le but ultime, the purpose, c'est que la vie de Dieu ultimate purpose is soit transmise à l'homme. That the life of God is transmitted to the man. Qui dit amen encore? Somebody say amen. Nous sommes ici we are here today pour que la vie de Dieu nous soit transmise. The life of God will be given to unto us. Amen. Amen. Donc depuis le commencement, so before the, from the beginning, depuis là-bas, from there, quand Adam there, et Ève ont chuté, when Adam and Eve fall down, failed, Adam et Ève ont chuté, Dieu a fait une expiation. Adam and Eve failed, and God il a versé le sang d'un, il a versé le sang d'un agneau. He shed the blood of a lamb pour faire expiation pour Adam et Ève. For as an expiation for Adam and Eve. Pour que Adam et Ève restent en vie. So that Adam Adam and Eve stay alive. Jusqu'à ce que la rédemption s'accomplisse. Until the redemption comes. Est-ce qu'on est ensemble? Donc dans le processus de so, la rédemption, in the process of redemption, Dieu envoie d'abord un substitut. God sends first a substitute. Et ce substitut là, and that substitute, dans l'Ancien Testament, in the Old Testament, c'était le sang des boucs et des taureaux. It was the blood of goats. Amen. Amen. And et bulls. Le sang des boucs et des taureaux. And the blood of goats and bulls. En fait, was in fact, c'était une promesse. It was actually a promise. Qui a un vrai sang? That. Qui a un vrai sang? That a true blood. Va, qui va venir? It was a promise of a true blood that was to come. Est-ce qu'on est ensemble? Are you with me? Donc derrière le sang des boucs et des taureaux. So behind the blood of c'était un substitut. It was a substitute. Qui gardait les gens en vie. That was keeping people alive. Mais c'est une promesse aussi. But it also a promise. Qu'il y a un sang véritable qui viendra. There was a true blood. Et dans ce sang là, after and in that il y aura blood, une vie. There will be a life qui peut être communiqué à l'homme. That can be communicated to the man. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Are you with me? Que Dieu vous bénisse. God bless you. Et donc cette promesse-là that promise, vous garde en vie. Those promises keep you alive, mais c'est pour un temps. But it's just for a time. Et c'est pour ça que dans Psaume 119, that's why in Psalm, il a dit, il est dit, souviens-toi de ta promesse à ton serviteur. About your promise to your servant. C'est ma consolation, that's my consolation dans la détresse. In distress. Donc je suis dans une condition, so I am in a condition que je n'aime pas, that I don't like, qui n'est pas celle à laquelle je veux arriver. That is not the one I want mais to reach, tu m'as fait une promesse but you gave me a qui promise. Me console. That we, tu as donné un substitut. That will comfort me. You gave me a substitute. Amen. Tu m'as donné un substitut. You gave me a substitute. Qui me console. That comfort me. En attendant que la chose véritable vienne. The et c'est pour ça qu'il dit que ta promesse that's me rend la vie. Your promise gives me back life. Mais cette promesse but that promise n'a pas de vocation d'éternité. Doesn't have an eternal vocation. Parce qu'une promesse, because a promise, ce n'est pas éternel. It's not eternal. Ça veut dire qu'il y a un temps où c'est donné. Because there is a, it means that there is a time where it's given. Et il y a un temps où ça doit être manifesté. And there is a time where it has to be manifested. Parce que la promesse derrière le sang des boucs et des taureaux, the promise behind the blood of goats and bulls, c'était la venue du parent rédempteur lui-même. Was the coming of the Redeemer himself. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Can somebody say amen? Et donc David est mort. So when David died, avec une promesse. He died with a promise. Abraham est mort. Abraham died avec une promesse. With a promise. Mais cette promesse-là promise l'est gardée en vie.
kept them même, alive. Même après leur mort, and even after the death, la promesse continuait de les garder en vie. The promise was still keeping même them quand alive. Ils étaient dans le séjour des morts, even in the la death, promesse continuait de les garder en vie. Ils attendaient le parent rédempteur. Et quand le parent rédempteur est venu, il est descendu aux enfers. He came down to hell. Amen. Amen. Pour accomplir la promesse pour to eux. Fulfill the et c'est à ce moment-là que la véritable chose that the true thing a été manifestée pour was eux. Manifested for them. Est-ce qu'on dit amen? Can somebody say amen? Est-ce qu'on dit amen? Can we say amen? Et donc dans le processus de la rédemption, so in the process of redemption, c'est la même chose qui se passe pour nous. It's the same thing happening for us. Qui me suit bien? Are donc you Dieu me? Nous fait une promesse d'abord. So God promised something to mais us il y a un temps. But there is a time. Le temps de la restauration. The time of restoration. Le temps de la restitution. The time of restitution. Où la promesse doit devenir une réalité. Where the promise has to become a reality. C'est pour ça que la rédemption véritable. That's why redemption will come. C'est au temps de la fin. At the end time. Qui me suit bien? How many? Que Dieu vous bénisse. Et donc, Deux Pierre. God bless you. So, oh, in 2 Peter. Je vais m'arrêter bientôt. I will stop. J'ai même pas encore fait la moitié. I will pas grave. Finish. I'm not que Dieu vous bénisse. At the half of my message donc, yet. Deux Pierre, chapitre 1, verset 19. 2 Peter, chapter 1. Verse 19. Dit la réalité que nous avons vue de Jésus. The reality we saw about cette Jesus, réalité que nos yeux ont vue. Reality our eyes saw. Que nos mains ont touché. That our hands touched. Avec qui nous avons communié. With which we had fellowship with. Cette réalité. That reality. Est la même. Is the same. Qui se trouve. That is. That qui is, se trouve dans la parole prophétique. In the prophetic word. C'est pour cela que dans 2 Pierre chapitre 1. In 1 Peter chapter 1. Verset 19. Verse 19. Il dit, et nous tenons pour de temps plus certain. He said, we take for certain. La parole prophétique. The prophetic word. À laquelle vous faites bien. In which you. De prêter attention. You comme you une lampe. You pay attention on it. Qui brille dans un lieu obscur. A lamp shining in a dark place. Est-ce qu'on dit amen? Can we say amen? La lampe est une lumière. La lampe est une lumière. The lamp is a light. Mais c'est une lumière avec un faisceau réduit. But it's a light with a small et c'est, power. Et cette lumière, and that light, comme une promesse, as a promise, vous permet de vous conduire let you believe, jusqu'à ce que let you behave, Pierre dit until, jusqu'à ce que Peter says, until, le jour se lève. The day rises. Est-ce qu'on dit amen? Can et quand le jour amen. Se lève, and when the day rises up, c'est une lumière plus grande it's a bigger light, que celle de la lampe. A greater light than the one et cette of the lumière lamp. Plus grande, and that elle apporte une vie véritable. Comes with a true life. La promesse the promise vous a gardé en vie. Kept you alive. Mais le lever du soleil, but the rising of the c'est sun, la vie même. It's the life. Et quand le soleil se lève, and when the sun il dit is aussi up, que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Et quand star le soleil rises se lève, and when the sun rises, amen. Il y a une vie qui est transmise à votre âme. Is transmitted to your et soul. C'est à ce moment-là, and it is at this time, quand la vie est transmise à vous, life is transmitted to que you, vous passez du domaine humain that you pass from the humanity, et vous entrez dans le divin. To enter in the, et vous to entrez divin, dans l'éternité. To enter into et vous eternity, entrez dans le surnaturel. In the supernatural. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Somebody say amen. Maintenant, now, écoutez encore une dernière chose. Listen, last thing. Nous avons appris. We learned. Vous me donnez quelque temps encore. Give me some time. Que again. Dieu vous bénisse. God bless you. J'espère ne pas prendre beaucoup de votre temps encore. I hope to take much. Mais il est dit là dans la parole. Much of your time, but it is said in the word. D'après nous avons été enseignés. That we have been taught. Quand nous sommes venus dans le monde. When we came to the world. Il y a un germe. There was a germ. Qui se trouve dans mon père. That was in my father. Et qui entre en contact avec un germe, and get in contact with a germ, qui se trouve dans ma mère, that was in my mother, et les deux fusionnent, and the two blend, et quand les deux fusionnent, the two blend, ça commence à former un corps, and it becomes to create a body, et quand le corps est complètement formé, and when the body is completely formed, alors à la fin, so then at the end, il y a un esprit qui descend, there is a spirit coming down, et c'est ça qui fait de moi ce que je suis and sur la terre, it makes me what I am in the earth today. Est-ce qu'on dit amen? Can we say amen? Alors je viens avec une âme, so I come with a soul, mais c'est une âme, but it's a soul. Charnel. A carnal one. On m'appelle l'homme animal. We can call me the animal man. Et dans cette âme-là, and in that soul, ne peut pas hériter le royaume. That man cannot inherit mais the kingdom. Pour chaque fils de Dieu, but each son of God, pour chaque fille de Dieu, but for each daughter Frère of God, Branham dit, but Branham says, qu'il y a dans son âme-là, there is in that soul, une petite empreinte, a little print, et cette petite empreinte-là, and that footprint, c'est ça qu'on appelle le germe semence. This is what we call the seed germ. Est-ce qu'on est ensemble? Are you with me? Quelqu'un dit amen. Somebody say amen. Et ce germe semence. And that seed germ.
a une attitude, aptitude, has an ability, une capacité, a capacity, à appeler, to call, appeler pour la vie, to call, crier pour la vie, life, to cry out for life. Amen. Amen. C'est parce que j'aime ce manque. It is by this que votre identité de fils de Dieu se manifeste. That your identity as son of God can be manifested. Alors, so, quand la rédemption doit s'opérer en vous, when redemption will operate in you, Dieu vous envoie une promesse. God send you a promise. C'est un mystère qui se trouve dans l'histoire d'Exode. It's a mystery in the Exodus story. Et dans le livre d'Exode, and in the book of Exodus, les enfants d'Israël devaient sortir de l'Égypte. The children of Israel has to go pour out entrer of Egypt en Canaan. To enter in Canaan. Au moment où ils devaient sortir, but why Dieu they were a appliqué. Going out, God applied. Sur le linteau des portes, in the top of the le sang des agneaux, the ou doors, les hommes, the blood of animals, et le sang des agneaux, and the blood of lambs, couvrait. Was covering, empêcher que l'ange exterminateur ne les écrase, and preventing the death angel to kill them. Mais observez une chose. But now watch something. Quand ils sont sortis de l'Égypte, when they came out of Egypt, et qu'ils s'en sont allés, and they left, la mort ne les a pas quittés pour autant. The death didn't let them. Parce que Pharaon, because Pharaoh, et son armée, and his army, ont commencé à poursuivre les enfants d'Israël. To go after the children of Israel. Alors, le sang qui était appliqué sur les linteaux, so the blood that was n'aurait pas servi à grand chose. On the door, amen. Was for nothing. Si Pharaon détruisait les enfants d'Israël, if Pharaoh killed the children Dieu of Israel, a donné un autre rendez-vous. So God gave et ce rendez-vous s'appelle la mer Rouge. Meeting, and that meeting point was the Red Sea. Est-ce qu'on dit amen? Can somebody et donc say quand amen? Ils sont arrivés à la mer Rouge, so when they reached the Red Sea, la mer Rouge s'est ouverte. The Red Sea opened up. Et j'espère que vous comprenez pourquoi on appelle ça mer Rouge. And I hope you understand why quand it is elle s'est ouverte, when it's les enfants d'Israël sont passés par la mer. They et pendant qu'ils passaient par la mer, les Égyptiens aussi ont voulu passer par la mer. Mais pendant que la mer donnait la vie aux enfants d'Israël, la mer donnait la mort. The sea was giving death aux Égyptiens. Alléluia to the Egyptians. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Et donc quand votre âme, so when your soul, quand votre âme, when your soul, entre en contact avec la vraie rédemption par le sang, quand votre âme entre en contact when avec la parole, into contact alors la parole, the world, so the est l'eau. Is the water qui donne la vie that gives life aux germes semences. To the sea germ. Mais la parole but the word détruit la nature. Destroy the nature. Alléluia. Est-ce qu'on dit amen? Can somebody say amen? Et donc tant que vous recevez la promesse, so the way you receive on vous the promise, la promesse, c'est une bien. Preach the promise ça to vous you. Garde en vie. It's mais il faut que vous entrez it en keeps contact. You alive, but you have to get in contact. Et si vous entrez en contact, and if you get in contact avec la vie, with the life, avec le germe, with the germ, c'est ça que Frère Branham est venu restaurer. This is what Branham came to restore. Amen. Amen. Parce que Frère Branham est venu because restaurer Branham came to restore la personne de Christ. The person of Christ. Et la personne de Christ, and the person of Christ, c'est une semence en germe, it's a seed qui doit vous être communiquée. That has to be et là, quand given le sang faisait, and when the blood était substitué avant, was quand la personne de Christ vient, when the person of elle entre comes, à l'intérieur de vous, it comes inside of you, ça détruit la nature jamais, it destroys the carnal et ça nature, réveille la nature divine en vous. It wakes up the divine nature. Alléluia. 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 C'est là que la rédemption devient réalité. That's where redemption becomes a reality. Et Frère Branham disait, je vais. Brother Branham was saying, je vois que je vais pas prendre beaucoup de votre temps. And I won't take too much time. Il disait que l'homme vit. He was saying the man lives. Dans trois milieux. In three realms. Le premier milieu c'est l'humain. The first realm is the humanistic. Et dans le domaine humain. And in the humanistic realm. Vous allez à l'église. You go to church. Vous aimez la parole. You love the word. Vous dites amen. You say amen. Vous dites alléluia. You say hallelujah. Vous dites seven thunders give faith. You say seven thunders. Vous donnez des acclamations. You gave. Amen. Mais quand, phrases, out, mais quand vous sortez d'ici, out, vous vous rendez compte you que les vieilles choses que vous avez laissées, left, c'est comme si ça revient. It's like they are coming back. La même nature que vous avez, same nature you have, c'est comme si ça revient. It's like it is coming, et il dit, mais le deuxième milieu dans lequel l'homme vit, in which the man lives, c'est celui de la foi. It is the one of faith. Et la foi and faith vous est communiquée par le sang. Is communicated through the amen. Blood. Amen. Et c'est cette foi-là, and it is that faith, dans toutes ces étapes-là, in all that, those steps, amen, qui porte une vie that bears a life, qui est transmise à votre âme. That is transmitted to et your quand vous recevez life, cette vie-là, and when you receive that ça life, vous introduit dans une pyramide. It introduce you in est-ce qu'on dit amen?
Somebody et cette pyramide de la perfection implante en vous une foi. Et quand cette foi-là vient, les choses que vous ne pouviez pas faire hier, les choses que vous ne pouviez pas faire hier, you were not able to do on dit qu'il y a une fontaine. We said that there is a fountain qui coule des veines d'Emmanuel. Et quand le pécheur est plongé dans ce flot, la conscience du péché disparaît. That, those water consciousness go away, disappear. Est-ce qu'on dit amen? Somebody say amen. Et quand le pécheur est plongé dans ce flot, and when the sinner la conscience du péché disparaît. The consciousness of the, les Égyptiens meurent. Of the sin disappear. Et on peut dire ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui là. And we can say, the Egyptian you see today, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, the Egyptian you see today, vous ne les verrez plus. You shall not see them vous ne no les more. Verrez plus. You shall not see them. Alléluia. Amen. Et Frère Branham dit, and Brother Branham says, dans tout cela, in all of that, tout le message là, all that message, c'est Jésus-Christ le même hier. It is Jesus the same yesterday, today, et éternellement. And forever. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ? But what is Jesus? C'est un germe. It's a germ. C'est une vie. It's a life. Qui doit entrer dans l'homme. That has to enter into the man. Et quand cette vie entre dans l'homme, when that life enter into the man, amen, amen, cette vie qui entre dans l'homme, that life entering in a man, identifie son nom, identified his name, dans le petit livre, in the little book. Donc quand je vois mon nom, so when I see my name, dans le petit livre, in the little book, la traduction réelle, the real translation, c'est que j'ai reçu une vie en moi, is that I have received, qui me fait sortir du domaine humain, that take me out of the humanistic. Est-ce qu'on dit amen? Somebody say amen. Alors toute vie que Frère Branham a passé les années à construire. So all that life Brother Branham kept building. Il a construit en lui-même. He was building in himself. Et quand la vie a atteint la plénitude, and when the life reached the fullness, il a libéré vers nous. He released to us comme des promesses. As promises. Est-ce qu'on dit amen? Somebody say amen. Et donc quand les pasteurs vont passer demain, so when those pastors will come tomorrow, ou après demain, or the day after tomorrow, ou dimanche encore, or Sunday, ils ont mangé les livres, they have eaten the book, et quand ils ont mangé les livres, and when they eaten the book, c'est une vie qui entre en eux, it's a life that went, et ces livres qu'ils ont mangé, and that book they eat, il y a vos noms à l'intérieur, your name are in there. Il y a vos noms à l'intérieur. Your name are in there. Et quand ils prêchent and la parole, when they will preach the word, c'est pour ça que Frère Branham dit que le ministère qui Brother vient après, that the ministry that will come c'est after, le ministère de Christ lui-même. It's the ministry of Christ himself. Parce que l'œil prophétique est passé. Because the prophetic time has left. Maintenant, c'est la personne it's même de finished, Christ. But now it's the person of c'est Christ. Ça le ministère de l'intelligence. That's the ministry of the intelligence. Amen. Amen. Et ce qui vous est envoyé, and what is sent to you, s'appelle les anges de l'alliance. It's called the angel of covenant. Les messagers de la résurrection. The messengers of resurrection. Pourquoi sont-ils messagers de la résurrection? Why are they messengers of resurrection? Parce qu'ils ont quelque chose en eux. Because they have something inside of them. Amen. Amen. Une onction, an anointing, qui vient sur la parole de la saison. That comes on the word of the et season. Et quand vous la recevez, and when you receive it, dans la bonne vibration, in the right vibration, quand vous la recevez, when you receive it, non pas seulement ça vous donne des émotions. Non pas seulement que ça vous donne des émotions. Not only with emotions. Vous dites amen. You say amen. Vous dites kubindaba. You say kubindaba. Quand vous finissez de dire ça, when we finish to il faut say que that, ça entre encore plus profond. It has to go deeper. Jusqu'à ce que ça touche le côté moral so de votre être. Touch the moral et que vous vous identifiez à chaque parole. You identify yourself to that word, et chaque parole qui sera prononcée. Each word that will be pronounced, est-ce qu'on dit amen? Somebody say va amen. Donner la vie au germe we'll en vous. Give the life et to quand the ça va donner la vie you, parce que vous aurez atteint la bonne vibration. Because you will be in the right vibration. Alors, then, vous passerez du domaine humain. You will change from the more, the votre conscience sera balayée. Your consciousness will be sweeped away. Il y a une foi qui va entrer and dans votre cœur. Je n'ai même pas fait I didn't, la moitié de mon message. I didn't even reach the half of my message. Vous allez me pardonner. Forgive me for that. C'est la première fois. That's the first time. Donc je n'ai pas la maîtrise du temps. So I don't mais laissez-moi vous dire une dernière chose. Correctly, but let me say the last thing. Pour quelques 5-7 minutes. Just 7 minutes. Amen. Amen. Il y avait une prophétie. There was a prophecy. Asseyez-vous, frère. You may be seated, brother. J'espère que vous êtes avec moi ce soir. Are you with me tonight? J'espère que la vibration est bonne. Amen. Il y avait une prophétie. There was a prophecy. Envoyée par le prophète Isaïe. Sent by Isaiah the prophet. 800 ans en arrière. 800 years before. Et la prophétie là. And that prophecy. C'était une parole. Was a word. La gloire de Dieu est dans sa parole. The glory of the Lord is in his word. Et la prophétie disait une vierge concevra. And the prophecy was saying a virgin shall. Et on prêchait une vierge concevra. And we were preaching dans les synagogues. A virgin will conceive in tous les samedis.
Every Saturday. Et les frères étaient contents. And the brothers were happy. Et les sœurs étaient contents. The sister were happy. Vierge va concevoir. A virgin will conceive. Il y a le Messie qui va venir. The Messiah will come. Mais 800 ans plus tard. 800 years after. Il y a un homme qui s'appelait Joseph. A man called Joseph. Il était dans une petite matinée, dit Frère Branham. He was in a little. Assis dans la matinée, il a sorti le rouleau. In a little morning, et il a sorti le rouleau du livre d'Ésaïe. Et il y avait une jeune fille appelée Marie assise à côté de lui. And there was a little girl called Mary. Et il a commencé à lire. Next to him, and he starts reading. Et quand il a commencé à lire, il est arrivé reading, à l'endroit, dit Frère Branham. Branham says, Amen. Vous savez que c'est l'œil, non? You know that c'est lui qui voyait it's, pour it's, nous. It's the eye. Alors he quand Frère Branham voit, also, il voit la scène là. When Branham il dit sees quand, that, quand Joseph scene, a lu and he says, que when, voici un signe que je vous envoie, when Joseph read, une vierge concevra. This is the sign I sent to you. Alors a ça créait une sensation dans le cœur de Marie. A sensation in Mary's heart. Ça a créé une sensation it dans le cœur de Marie. A sensation in et Mary's heart. Joseph a fini de lire. And when Joseph et s'est séparé avec Marie. And separate from Mary. La parole n'a pas quitté Marie. The word, that word didn't left Mary. Marie est rentrée chez elle. Mary went back home. Il y avait encore cette parole. With that word still. Qu'est-ce que c'était? What was it? C'était une vibration. It was a vibration. Une vibration de son it was cœur. A vibration of his non heart, pas une vibration sur un grand homme. Not, mais une vibration man, par rapport à la parole. But a vibration par rapport à un mot qu'elle a entendu. According elle n'a pas dormi. She didn't toute la nuit. Slept elle pensait à la parole là. Quand elle se réveille le matin. Word. Elle pensait à la parole là. She was thinking about et la vibration word, dans son cœur vis-à-vis heart, de la parole regarding the word, a créé une attraction. Created an attraction. Et l'attraction est allée au ciel. That attraction est-ce went qu'on to dit amen? Comme Frère Andicat, il y a une profondeur qui appelle. Il y a une profondeur qui répond. Calling, et cette attraction a, deep that, a déclenché une attraction and du ciel. Attraction Gabriel est descendu. Created an attraction on the heavens. And Gabriel came down. Amen. Amen. Et c'est ça qu'on appelle pull. That's why we what we call pull. A pull. Parce que pull c'est attirer. Because to pull it's to attract. Attract. Et donc avant que Dieu ne vous pull. So before God pulls you. Vous devez pull Dieu aussi. You have to pull God. Amen. Alleluia. C'est la raison pour laquelle. That's why. Quand l'ange a montré les trois poules à Frère Branham, when the angel showed the three poules to Brother Branham, il a montré les trois poules comme un exercice de pêche. He showed the three poules as a fishing exercise. Dans l'exercice de pêche, in the exercise of fishing, tu envoies la ligne. You send the line. À l'intérieur fond de la ligne là, in the bottom, il y a un hameçon. There is avec un appât. A cook with voilà. A hook. So. Et l'appât là c'est la parole. And that bait is the word. The word. Et donc il y a les petits poissons à l'intérieur. So there are little fish there. Et c'est vous et moi. It's you and me. Et donc quand le poisson attrape la part. So when the fish catch the hook. Il fait d'abord une attraction première. There is a first attraction. Vers le bas. Down. Alors le pêcheur sait. And then the fish que le poisson a mordu. Knows that the et il peut tirer alors. The fish bites so he can draw. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et donc il y a un premier pour que Frère Branham a envoyé. So there is a first pool Brother Branham sent. Pour attirer les poissons. To attract the fish. Mais les premiers poissons là. But those first fish. C'était des poissons qui aimaient le pool du sensationnel extérieur. It was fishing that was liking sensational. Sensationnel extérieur. Pool. Exterior oh Dieu m'a béni. Oh God, oh, God bless me. I have a big house. I have a big this. C'est un poule aussi. It parce que même les Juifs sont bénis par la grâce de Dieu. Because even Jewish are mais ce poule-là, c'était pour des petits poissons. God, but that pool was for little fishes. Alors Dieu envoie un deuxième so poule. God sent a second et le deuxième poule-là, pool ça vous met dans une onction, puts you in an anointing, mais c'est pentecôtiste. But it's Pentecostal. C'est plus des domaines là. It's only for that. Un peu de spirituel. That domain that vous avez du sensationnel. Spiritual, you have et donc quand vous dites Amen, Koubine Daba, c'est bien. Amen, amen, mais vous pouvez être sur good, le deuxième poule. But you can remain mais ce n'est pas on pour ça que Frère Branham est là. But it's not for that. L'épouse n'est pas sur le deuxième poule. L'épouse est sur the le troisième poule. On the third poule. Alléluia. Alléluia. Alors quand il envoie la ligne de pêche. So when he sent a line. Avec des promesses. With promises. Qui correspondent à la saison. Corresponding to the qui season. Qui correspondent au temps dans lequel tu es. Corresponding to the time qui correspondent à l'instant où tu es. The time where you are. Et cette promesse là. So that promise. Va te faire traverser les dimensions. Will make you go comme through les sept tonnerres donnent la foi. As seven et que les sept tonnerres rassemblent les pouces. Pour la grâce et l'enlèvement. For the et que vous devez être parfait. And you are et que la seule chose que Dieu connaît.
And the only thing God knows, amen. Amen. C'est la perfection. It's perfection. Et qu'il y a votre nom quelque part. And there is your name somewhere. Quand vous entendez ces choses, when you end, alors c'est un appât. So il faut qu'il y ait un pool. A bed. There has to be a pool. Il faut qu'il y ait une profondeur. There has to be a deep. Qui appelle. Calling. Et quand la profondeur va appeler, and when that deep would call, alors il y a une profondeur qui so va répondre. There will be a deep to quand answer. Branham a donné son témoignage, when Brother Branham gave his testimony sur la création des écureuils, about the creation of squirrels, il a fini de parler. He finished speaking. Et quand il a fini de parler, when he finishes, il jetait la pas. He sent the bet. Mais les diacres étaient là. But the deacons were there. Mais ils ne voyaient rien du tout. But they couldn't mais see anything. Mais Wright, but Anti Wright, a attrapé la pas. Catch the hook, the bait. Et le poisson a attiré. And the fish. Il a dit, Frère Branham. And she said, Brother Branham. Ce n'est rien d'autre que la vérité. This is nothing else but et quand the truth. Elle a donné le témoignage. And when she gave the alors testimony, l'esprit de prophétie est so descendu. The spirit of prophecy came down. Hallelujah. Hallelujah. Et il a dit, sors aujourd'hui. And he said, today. Attire-toi. Le même esprit. The same qui m'a fait parler aux écureuils. That make me speak est to the ce soir. Is here tonight. Demande ce que tu veux. Ask what you will. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a de l'attraction dans la salle? Is there any attraction in the building? Est-ce qu'il y a une attraction dans la is salle? Is there an attraction in the building? Il faut qu'il y ait un pool en bas. There has to be a pool down. Pour qu'il y ait un pool en haut. To have a pool up. Je n'ai même pas commencé. I didn't even start. Mais je vais m'arrêter aussi. But I will stop, finish here. Si nous pouvons seulement nous lever. If we can just stand. Parce que sinon je serai là jusqu'à minuit. Because anyway I will be there until midnight. Mais que Dieu vous bénisse. But God bless you. Mais notez une chose. Just notice something. Notez une chose. Notice something. Tout ce que vous allez être. All you shall be. Tout ce que vous êtes. All you are. Tout ce que vous serez jamais. All you will ever be. Dépend comme Pasteur Lonsi a dit. Depends as Pasteur Lonsi says. De votre capacité à recevoir. Of your ability to receive. Alors que ce soir. So may tonight. Demain. Tomorrow. Et après demain, and the day after tomorrow, quand les hommes de Dieu parleront, when men of God will speak, qu'il y ait une attraction dans may there be an attraction in your heart. Qu'il y ait un poussé à bout. May there be a desperation in your heart. J'aurais pu vous raconter mon expérience. I could have told you my experience. Mais ce jour-là, but that day, quelque chose s'est passé. Something happened. Mais il faut quelque chose qui attire. But it has to have something to attract. Il faut un appel. It must have a call. Et c'est là où Frère Branham dit. And that's where Brother Branham says. Que quand l'omnipotence. When the omnipotence. Rencontre une omnipotence. Meets another omnipotence. Ça crée le miraculeux. It creates the miracles. L'omnipotence de Dieu. The omnipotence of God. Rencontre l'omnipotence de la foi. The omnipotence of faith. Parce que le croyant est omnipotent. Because the believer is omnipotent. Et Dieu aussi est omnipotent. And God is omnipotent. Dieu est omnipotent positif. Is a positive omnipotent. Et la foi est omnipotent négatif. And you are a negative omnipotent. Et quand le plus et le moins and when the plus and the minus meet together, le miraculeux the miraculous take place. Le power peut descendre. The power can come down. Power can flow. Quand le miraculeux l'omnipotent plus when the omnipotence plus rencontre l'omnipotent moins meet the omnipotence minus. Les deux bornes se branchent. The two are l'électricité circule. Branch together and stream can Dieu est réel ce soir. Can be there. God is real tonight. Il est réel ce soir. He's real tonight. Alors que nous nous approchons de lui. So as we are getting close to him. Je suis vraiment obligé de m'arrêter ici. I'm obliged to finish here. Que Dieu vous bénisse. The Lord bless you. Nous voulons chanter ensemble. Want to sing together. Levons les mains. Let us lift up our hands. Un désir brûle en moi. And burn in me. D'être plus comme toi. To be more like you. Cela grandit plus fort chaque jour. It grows. Ça pèse dans mon âme. And it's deeper in my heart. La perfection est mon but. Perfection is my purpose. Marcher avec toi en parfaite harmonie. Walk with you in perfect harmony. Je veux aller. I want to go. Où tu veux que j'aille. Where you want me to go. I want to go. I want to go. Where you want me to. Where you want me to go. The burning desire in me to be more like thee is growing stronger every day. I'm burdened in my soul. Perfection is my goal. To walk with you in perfect harmony. Que ce soit la profondeur. May it be a deeper. Qui appelle. Deep soir. Calling tonight. Je ne veux rien d'autre. I want anything else. Je ne veux pas les étoiles. I don't want stars. Je ne veux pas la gloire des I hommes. I want the glory of men. J'ai un appel dans mon âme. I have a call in my la heart. La perfection est mon but. Of perfection. Je ne sais pas si les frères peuvent nous aider à chanter ça. I don't know if the brothers can help to sing it. Atteignez la bonne vibration. Reach the right vibration.
atteignons la bonne vibration. Reach the right vibration. Nous aurons une convention comme on n'en a jamais eu. We'll have a convention like never before. Est-ce que les frères peuvent vous aider? Can the brothers sing? Un désir brûle en moi d'être plus comme toi. Cela grandit plus fort tous les jours. Ça pèse dans mon âme. La perfection est en moi. Un désir brûle en moi. Un désir brûle en moi. D'être plus comme toi, cela grandit tous les jours. Ça pèse dans mon âme, ça pèse dans mon âme. La perfection est mon but pour marcher avec en parfaite harmonie. Je veux aller. Tu veux m'envoyer, Seigneur, pour faire ce que tu fais, Seigneur. Je veux sentir ta présence à mon parfait, chassant toutes mes peurs, Seigneur. Oh, je l'aime. Que tu fais, Seigneur, je veux sentir ta présence à mon parfait, chassant toutes mes peurs, Seigneur, je veux. Raisonnement pour atteindre ce certain son, cette petite voix dans mon cœur pour me dire où je dois aller. Oh, est-ce que vous le sentez ce soir? I feel tonight. Est-ce que vous pouvez déjà l'adorer ce soir? Je veux aller où tu veux m'envoyer, Seigneur. I want to go where you want. Est-ce que quelqu'un peut lui dire ça ce soir? If someone can say tonight. Est-ce que quelqu'un peut se connecter à lui ce soir? Can someone say tonight? Est-ce que quelqu'un peut se saisir de sa parole ce soir? Can someone catch his breath tonight? Est-ce que quelqu'un peut grimper l'échelle de Jacob ce soir? Can someone make it? Est-ce que quelqu'un peut regarder au-delà du naturel ce soir? Can he look beyond the natural tonight? Parce que Jésus le Fils est ici dans cette salle. Because Jesus the Son is here in this. Il est près de vous, frère. There's no. Il est près de nous, sœur. There's no. Il est ici ce soir. He's here tonight. Le pan de son vêtement est à côté de vous. His garment is. Alors vous pouvez le toucher par la foi ce soir. You can touch him by faith tonight. Vous pouvez le toucher par votre foi ce soir. You can touch him by your faith tonight. Vous pouvez lui dire, Seigneur, je veux aller où tu me diras ce soir. I said to him, Lord, I want to go where you want to send. Si tu me dis que je suis guéri, alors je sortirai guéri ce soir. You can say I'm healed also, Lord. Si tu me dis que je le Saint-Esprit, alors je sortirai joyeux ce soir. And you can make me go out joyous. Si tu me dis, ne t'inquiète pas pour tes problèmes, ma fille, je sortirai heureuse ce soir. I will go out happy tonight. Alors touchez-le par votre foi. Touch him by your faith. La parole correcte est sortie. The Lord has come out. Dieu a parlé. God has spoken. Alors que le croyant se saisisse de sa parole. So we believe and et que la foi prenne le dessus. And the word. Hallelujah. Wonderful, yes, you are.
wonderful. Hallelujah. Oh, you are wonderful. Oh, wonderful. Oh, tu as pensé à moi, Seigneur. Wonderful. Yes, you are wonderful. Oh, tu as pensé à moi, Seigneur. Wonderful. Oh, oh, combien peuvent l'adorer ce soir, Église. I want to worship you tonight. Il ne vous a pas seulement vu comme un homme, mais il vous a vu comme son fils, comme sa fille, rempli de son esprit. Wonderful. Oh, wonderful. Oh, thank you, Lord. Wonderful. Yes, you are. Merveilleux, oh, merveilleux, oh, tu es merveilleux, oh, tu es merveilleux, oh, que l'Église dise encore plus fort, tu es merveilleux. Sorti, frère. The word came out, brother. Nous avons écouté la parole ce soir. We have heard the word tonight. Alors, sur le moment où le miraculeux doit prendre place, dans votre cœur ce soir, you are here tonight. Pour résoudre chaque situation, to solve every situation. Alors, si vous avez la foi, tout est possible à lui ce soir. So you have faith, everything is possible to you tonight. Tout vous est possible ce soir. Everything is possible to you tonight. Alors, connectez-vous simplement à lui. So just connect yourself to him. Oh, et jubilez-le. Glorifiez-le, remerciez-le, célébrez-le, louez-le, adorez-le, que tout ce qui reste ce soir lui donne la louange, la gloire, l'élévation, parce qu'il est ici. Oh, il nous fait grâce de sa présence, la parole de Dieu. Combien peuvent le louer ce soir? Combien peuvent l'acclamer ce soir? Combien peuvent le remercier ce soir? Combien peuvent lui donner la louange ce soir? Donnons-lui une acclamation à l'église. Alléluia. Amen. Amen. Oh, thank you, Lord. Oh, merci, Seigneur. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Lord, I want to be a Christian. In my heart, Lord, I want to be a Christian in my heart. In my heart, in my heart. Lord, I want,
I want to be filled with your spirit in my heart. Oh, est-ce que vous-même pouvez être tendu vers les cieux ce soir? I will. Lord, I want to be filled with your spirit in my heart. Oh, sing it together. Chantons ensemble. In my heart. In my heart. Oh, Lord. Lord, I want to be filled with your spirit in my heart. Oh, donnons-lui une acclamation ce soir. Hallelujah. Hallelujah. Amen, amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Oh, que son nom soit béni. Let his name be blessed. Je veux être rempli de son esprit. Everything je veux être une nouvelle création. Je veux être branché dans le canal correct. Afin de recevoir channel. Sa parole. So pour qu'elle soit une image. Image. Pour qu'elle soit une vérité pour moi. To be a truth for me. Oh, est-ce que vous avez apprécié le pasteur Eric? Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Que le nom du Seigneur soit béni. Let the name of the Lord be Amen. Blessed. Amen. Oh, est-ce que vous pouvez serrer la main de votre frère ce soir? Can you shake the hand of your brother tonight? Oh, et bénissez le nom du Seigneur pour la parole que vous avez écoutée. Amen. Oh, le name of the Lord is His strong tower, and the righteous running into it. And they are saved. Oh, the name of the Lord is His strong tower, righteous running into it. And they are saved. Oh, say, don't get up, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, Most High. Oh, blessed be the name. Praise the Lord. Can you give the hand of praise the Lord? You may be seated. Amen. Amen. God bless you richly. À la fin. We are at the end, du premier jour de la first, réunion. The first day of our service. Est-ce que vous avez apprécié le pasteur Eric? Have you appreciated the pastor Eric? Amen. Amen. Merci. Thank you. Et comme annonce, and asked, les portes s'ouvrent demain à partir de 17h30. Doors will be open for
5:30 p.m. Le chant commence à 18h30 aussi. Song start at 6:30 p.m. Ce que je voulais dire aussi, I want to say also, c'est qu'il y a une réception ici à côté. There is a reception here. Pour tous les frères et sœurs. For brethren, sisters, qui dorment à l'église. Are sleeping in the church. Et ceux qui ont voyagé pour arriver. And those who have traveled to come. Que le nom du Seigneur soit glorifié. May the name of the Lord be glorified. Et tous ceux qui sont disponibles, il y a des voitures qui sont tentées d'aller aussi à Lok Baba. And all those that are available, cars are going to Lok Baba. Les serviteurs de Dieu, que Dieu vous bénisse richement. A servant of God, God bless you richly. Nous allons nous mettre debout ce soir pour clôturer. Souvenez-vous we must stand tonight to que dimanche, remember that Sunday, nous nous préparons pour la ligne de prière. We prepare for the prayer line. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. God bless you richly. Alléluia. Oh, à toi la gloire. Alléluia. Amen. Appelons le pasteur Rémi. Comme hier, à sauver. Devenir comme congédié l'église. Pour le last prayer. Nous prions. Let's pray. Glorieux Père Céleste, Dieu Tout-Puissant. Heavenly Father, Almighty God, que ton nom soit béni. Let your name be blessed. Nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous. We thank you for everything you do for us. Certainement, Seigneur, tu as vu qu'il y a le besoin dans ton peuple. Certainly, you have seen the need of your people. Et tu as bien voulu susciter cette convention. You raise up this convention. Afin que tes enfants, Seigneur, puissent avoir la rédemption dans sa totalité. So that your children may have a revelation of redemption. Merci, oh Dieu, de ce que tu as commencé par ton serviteur ce jour. Give thanks for what you have started by your servant today. Comme lui-même a pu nous le dire. For what I said was, qu'il va placer ses cailloux. That he will place those stones. Afin que ceux qui viendront. So that those who will come. Puissent les utiliser. May use them. Pour tuer Goliath. To kill Goliath. Nous croyons que tu l'as commencé ce soir. We believe that you have started tonight. Pour nous amener de l'humain. To bring us from the human. À la divinité. Or the divinity. Nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous. Laisse donc que Seigneur, oh Dieu, oh, Eternal God, l'omnipotence positive, the position omnipotent, puisse rencontrer l'omnipotence négative, and meet the negative omnipotent, afin qu'il y ait une explosion positive. So that they may have a positive explosion. Ce peuple, après t'avoir écouté, Seigneur, so after I heard the Lord, nous croyons que Seigneur, ta parole ne serait venue sans accomplir ce pourquoi elle est venue. Laisse donc que chacun, ô Dieu, puisse prendre le chemin de retour en étant de nouvelles créatures, non pas par notre volonté, mais par ce que ta parole a dit. Et nous croyons que ta parole s'accomplit encore aujourd'hui. Que l'ange de l'Éternel, Seigneur, puisse camper autour de tous ceux qui te craignent, que la main paternelle du Dieu Tout-Puissant puisse accompagner chacun chez soi. Let your hands que la colonne de feu, la nuée de gloire, puisse prendre le contrôle de tout. Et s'il y a un lendemain, Seigneur, pour tous ceux qui ont été là encore, laisse que nous puissions encore revenir. À toi soit la gloire. Maintenant et à tout jamais. Car il n'y a aucun autre Dieu comme toi. Tu es au-dessus de toutes choses. Tu mérites la louange. Et que tout ce qui respire puisse t'adorer.
worship you. C'est dans le Christ Jésus notre Seigneur que nous te confions toutes choses. That we confer everything nous to abandonnons you. Tout entre tes mains. We abandon everything to you. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Peuple de Dieu, allez en paix. People of God, go in peace. Que celui qui vous a amené puisse étendre les saintes ailes du grand aigle sur vous et que vous regagnez so vos demeures en bonne et due forme. So au nom du Seigneur Jésus-Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Ainsi soit-il. Thus shall it be. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Alors, je voulais, j'ai oublié une annonce. I forgot an ask. Ceux qui veulent suivre ou bien envoyer un lien dans, à leur famille, you que ce soit au Cameroun, que ce soit hors du pays. Je voulais vous dire, vous envoyez tout simplement Goshen Tabernacle Douala. Goshen Tabernacle à YouTube Douala. Ou à Facebook, c'est en direct. YouTube ou Facebook. Alors le culte qui se passait tout à l'heure, recevez les salutations du pasteur Johnny Conte. Il était en direct, connecté. Alors il m'a demandé de saluer toute la. And he asked me to salute all the church, all the convention. Alors retenez le lien. Just catch the link. Goshen Tabernacle Douala Douala. Goshen Tabernacle Douala. C'est tout. Dès lors que vous le tapez, vous verrez le lien direct et vous pouvez entrer et suivre, donner à qui vous voulez. You can give it to everyone you want. Si vous voulez suivre cette prédication de ce soir, cette nuit même. If you want to follow the preaching of tonight, this night. Déjà, amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom. À demain soir. See you tomorrow. Continuons à prier pour que nous ayons un bon son demain, je vous assure. Keep praying for us to have a Shalom. Good sound. Shalom. Bye bye. See you.